Warning. Oui, un coup de feu dans la poitrine. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Il y a un problème avec les maisons de disques. I love MTV. Pourquoi tu détestes ma... Parce que c'est une autre mentalité qui n'est pas la mienne. Friends. Crazy. Un max de goût sans... Conçu pour épouser vos aisselles et... Il défie le danger pour gagner 100 000 dollars et un 4x4. Il me fout une télé. Consultez un psy. Connecte-moi. Plutôt crever. Ce qu'il me faut, c'est une boîte de bière. Je t'aime, mon chouchou. Tu vas le payer. Je suis désolée. Énergie. Ah non. Regarde-toi. Le sexe, c'est vendeur. J'y pense tout le temps. Si la musique est un art... Ma télé. Il l'a ramenée. Il l'a ramenée. Mercredi prochain, soirée destruction. Soit original. Whatever the f*** I want. Vous n'allez pas tarder à le ressentir aussi. J'ai absolument rien fait à ce gamin. Toi qui as gagné. Tout ça bien mélangé dans... Hey, les filles. Facile, c'est un peu comme la tequila. Tu as les pouvoirs d'un dieu. Est-ce que tu veux l'enregistrer? On va surtout rigoler. Ne les imitez pas. D'accord, faites-nous confiance, on va vous donner quelque chose pour la douleur. Elle devrait le refaire en direct à la télé. Bon, je suis convaincu qu'on observe ses moindres faits et gestes à un délire de persécution. Sous l'œil des caméras. Tu n'es qu'une abominable ordure. Non, mais non! C'est sûrement un meurtre. Tu as sûrement raison. Ça ne dépend que de nous. Allez, viens, porc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas. Que... Qui résiste à toutes les folies? Tu veux soigner ma télé? Mais si la folie ne dure pas, eh bien... Ça veut dire ce que ça veut dire. Le cerveau est un mystère. Les meilleurs tubes de Beyoncé sur ton portable. Vite, revivez, médicaments. Pas chez l'un, pas chez l'autre, jouer ensemble, se faire des bisous, plein de cadeaux, et même tomber amoureux. Je veux dire... Un véritable monstre, un monstre. Je me suis très vite aperçu que, en fait, je ne désirais avoir aucune relation avec aucun être humain. Détends-toi. Je comprends mieux maintenant. Je l'ai tué. Pour une sécurité renforcée. Écoute, c'est sûr. Je serai cinéaste, productrice, chanteuse, écrivain et actrice. Ennuyée. Pour la télévision française, il y a de l'argent à gagner. Aimer, chérir et protéger, c'est pas tripoter, sale porc. J'ai appris à manquer de confiance en moi, j'ai appris ce que c'est que la déception. Sa seule ambition, vivre au crochet des autres et regarder la télé. J'ai couché avec ma mère. Ah, compte comme c'est malsain tout ça. L'intelligence des animaux épate les humains et la stupidité des humains menace les animaux. Il faut faire comme si tout allait bien. T'es peut-être fou. Les fous sont pas ceux qu'on pense. Je pensais que tu te sentais peut-être seul. Wow. Regarde, une chanson, c'est comme un oiseau blessé. Nous ne voulons pas vivre. J'aime avoir de la sexualité avec moi-même par le biais de la masturbation. Je ne cherche pas à te changer, mais comment dire, en même temps, j'ai peur que tu restes comme ça jusqu'à la fin de tes jours. C'est un complot, vous êtes tous contre moi, c'est pas vrai. Non, ça va. On est mort. Je déteste ma maman. Non, ça donne envie de faire un enfant, hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Le bonheur est pour demain. Vous brûlerez en enfer. Je suis déjà en enfer, mon père. Et autre chose. Les enfants s'attachent énormément à un poney. L'art, c'est aussi prendre des risques. Et sa basse besogne par le célèbre tueur au bois. La télé. Aujourd'hui, j'ai embrassé Shelley pour la première fois. Je sens que tu n'es pas le genre de garçon qui doit faire ça très souvent. T'as pas le droit, petite salope. Non, non. Tu sais que c'est la vérité, non. Arrête, non. Un peu. Non. Je suis pas un monstre. Pourquoi tu m'emmènerais pas dehors pour me tuer devant tout le monde? Je vous hais tous. Doit-on accuser le rock'n'roll? Écoutez tous, écoutez. J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Et des gens qu'il aimait s'étaient éloignés de lui. Vous êtes une star. Il est vautré là-dedans toute la journée à regarder la télé. Est-ce que Juliette était folle comme sa sœur? Tu n'as pas idée comme tu es proche de la fin de ta vie. Tous mes amis disent que je suis folle. Coupe la télé, tu te fais du mal. Hein? Et je ne sais pas si j'avais peur ou si je m'amusais. T'as perdu la boule. Ici, c'est la pièce télé. C'est un peu mon bureau. Tu veux me demander si moi aussi je me rase les couilles? Tu sais que tu me fais peur. Vous êtes complètement cinglé. Qu'est-ce qu'on appelle réussite?
C'est la célébrité, une belle fortune. Ou le fait que les critiques vous adorent, ou est-ce l'intime conviction d'avoir bien travaillé? À Miami, on fait la fête toute la nuit. Pourquoi es-tu une artiste? Il pense sûrement que je suis folle. Si tu réfléchis, l'échec ne veut rien dire en termes de création. Ce n'est qu'une façon différente de définir le succès. Je préfère prendre ma voiture et rentrer chez moi plutôt que de dormir chez les gens. Pourquoi es-tu un artiste? Parce que je suis en colère! Des gens sensibles comme vous sont nécessaires, Sarah. Vous rêvez de devenir une star et passer à la télé? Mon problème à moi, c'est que j'aime trop la bouteille. Je ne suis pas comme toi. Tu aimerais bien pouvoir t'en persuader. M'a dit que j'étais folle et que j'avais besoin d'aide. You're crazy. You know, you need help. Calmez-y. Je suis là et elle sait même pas que j'existe. Le numéro de l'asile est marqué sur le frigo. Je ne suis pas un type ordinaire. Tu as envie de faire des rencontres? Maman, je t'ai dit que j'étais d'humeur suicidaire. Tu vois? Je vois quoi? Tu vois ce que je dois supporter? Des gens que je ne connais pas, qui veulent être mes amis et me posent des questions idiotes toute la journée. Est-ce que tu trouves ça drôle? T'as pété un câble? Michael, mon... Je crois... Bois un jus d'orange, tu seras de meilleure humeur. Pourquoi? Tu as mis de la vodka dedans? Cet homme est fou, allié. Il a tout mis dans cette œuvre. Va perdre la télécommande. Nous ne sommes rien. La finale des colloques, c'est ce soir à l'heure du goûter. T'es vraiment un vieux con, papa. Demain, ça sera mieux. Je n'existe pas. Quelqu'un a-t-il la nausée? Salut les homos. Je suis écœuré. Vous avez l'habitude d'être un être humain pitoyable qui fait seulement ce que les autres attendent de vous. Vous vous droguez? Oui, monsieur, à la morphine. Il l'a fait parce qu'il était complètement cinglé. Je suis morte. Curtis, il se passe des choses bizarres. Je regarde la télé. Une des caractéristiques de la beauté, c'est d'avoir de gros seins. Mais le rock'n'roll, c'est moi. Je veux vous tuer. Les hommes séduisants s'attendent à sortir avec des gens séduisants. C'est du romantisme à la loi, cette idée qu'un artiste doit souffrir. Tout ce qu'elle sait faire, c'est travailler tous les jours, de 9h à 17h. Elle y connaît rien en télévision. Tu es dingue. Peut-être que tu devrais rentrer te reposer avant d'être poussé à bout. Vous n'avez pas le câble, vous n'avez pas le satellite. Pour vous, c'est l'essentiel de la télé. Votre vision du monde va radicalement changer. Est-ce que vous êtes prêts à tout envoyer en l'air? Ou alors on est fous, hein. Ou alors on pète tout, hein. Maman, tu ne m'écoutes pas. Et ne me dis pas que c'est parce que je suis folle, parce que je suis loin d'être folle. Envie de magie. Ces enfants détestent l'Amérique. NSYNC en tournée mondiale. Aujourd'hui, le produit, c'est l'artiste et le produit dérivé, le disque. Vous pouvez tonifier ces bras flasques. C'est plus facile pour moi d'écrire que de parler. Si tu veux qu'on te comprenne, va chez l'orthophoniste. Nouveau. Intuition. Nouveau. La première. Une nouvelle façon de... À moins d'utiliser le nouveau. Beauté sont au 8-20. Le nouveau déodorant vitalante. La nouvelle salle. C'est nouveau. Nouvelle dose. Nouveau gain. Nouvelle douche crème. Le nouveau yoga. Le nouveau Actime. Nouveau tape. Les nouveautés sont... Le nouveau. Nouvelle. Nouvelle. Nouveau. La nouvelle. Nouveau son. Nouveau. Nouveau. Nouvelle. Nouveau. Nouvelle. Nouvelle. Nouveau. 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 Nouvelle. Nouveau. 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 Nouvelle. Nouveau. 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 Nouvelle. Nouveau. 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 Nouvelle. Nouveau. Et bientôt, enfin très vite, on prie pour que tout s'arrête. Il suffit de... Barrez-vous les mondes, barrez-vous. Psychose. Je suis romantique et heureuse. Ouais, parfois on a l'impression d'être fou et parfois pas du tout. Je te tuerai. J'irai pas à l'asile. Tout s'est passé très vite. Ok, j'ai pété un fusible ou deux, et alors? Tu te drogues, c'est pas possible. Docteur, quel est le problème? C'est très simple. Ce soir, quoi qu'il arrive, Eric utilisera un préservatif. Que vous réserve l'avenir? Sa différence l'a peu à peu isolé du monde. Nous sommes tous différents. Turn it up. To the left. Appelez le câble, demandez-leur de brouiller son canal MTV. Je peux pas continuer à vivre en prétendant que je suis heureux tout le temps. Et si je suis aussi mauvais que mes parents, je ne voudrais pas qu'un enfant en souffre. Je suis passé voir si ça allait, si tu te sentais pas trop seul sans moi. Je m'éclate tout seul. Laissez un message. Je t'endresse. Tout système est imparfait. Lui un poème par SMS. Paranoïa collective. Je vous tuerai. Arrête un peu tes crises de paranoïa, ok? Ça ne prend pas. Luc, le son du... Pour remédier à un quelconque problème avec l'alcool. Comme Paul, choisissez la liberté. Encore plus de séries au saut du lit. Dis-Luc, tu l'aimes avec un logo. Utilisé par les dentistes. Je me fais du souci. Elle passe trop de temps toute seule et je crois qu'elle se parle à elle-même. Je n'ai jamais eu la joie d'entendre que ce que je faisais était bien. Oh, est-ce que tu m'as fait peur? Je vais tous vous tuer. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Peut-être que ceci vous apprendra à respecter mon autorité. Elle est folle, appelle le docteur.
Je suis là. Là, je m'en fous d'après. L'après, ce sera au moment où il y aura un après. Je vis mon instant présent, maintenant, ici, là. Je ne crains même plus la mort. C'est où tu veux, quand tu veux, comment veux-tu que je sache. Le mariage de Stéphane et Bertrand vient tout juste d'être annulé. Qu'on va t'engager pour te montrer dans un cirque. Eh ben, vous serez privé de gâteau pour la peine, méchant. Que s'est-il passé hier soir? Tu sais, quelquefois, je m'angoisse. J'ai peur, tu sais, je m'inquiète. Bon, alors écoute, secoue-toi un peu. Tu es cinglé. Et merde! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça va pas, je suis en décalage avec tes autres. T'es un alcoolique et tu te fiches complètement de tes mots. Il faut toujours que tu rapportes tout à toi. Écoutez les conseils du directeur d'Air Paris, interrogé par Mathieu Horsman. Vos gencives sont aussi importantes que vos dents. Non, vous énervez pas devant votre télé, il y a déjà des gars qui lancent des trucs. Arrêtez, hein. Tu peux pas ne pas péter les plombs, c'est impossible. Enfin... Let's go crazy. Dans ton petit monde, t'as conscience de rien du tout, et c'est comme ça pour tout. Je vous déteste tous. Oh, qu'est-ce que je peux m'aimer, moi? T'es pas le nombril du monde. Oh, Lena! Je ne te laisserai pas tranquille tant que t'auras une tête. Laissez-moi vous montrer comment la scie Total Blade fonctionne. Alors vous suicidiez devant eux, c'est ça? Je suis un faucheton et une hypocrite. Voilà ce qu'il y a. Oh mon Dieu, je ressemble à Gérard. La vedette de l'émission aujourd'hui, c'est moi. Que la fête commence. Mais c'est comme ça. Mais je sais. J'étais persuadé que tout le team me haïssait. Comme je suis un peu paranoïaque. Celui qui ne risque rien, risque encore plus. Les enfants ne sont pas tous gentils. Tu vas voir, tu vas te marrer tout le temps. Ma déclaration d'amour, je la fais à la révolution radicale. Et moi, je me sens vraiment ridicule. Le réveil a lieu très tôt afin d'anéantir la combativité des gens. 2, 3, 4. Un vol. C'est de la vodka, tu bois que ça, toi? Ouais, oui. Ouais, t'as raison, il faut pas... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Bon, tout le monde s'en fout, maman. Continue, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, alors? Qu'est-ce qu'il y a? J'en peux plus, papa, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que t'as là? J'ai plus la force de continuer, j'en peux plus. Oui, non, on y croit, hein, on y croit, c'est... Non, on y croit, c'est bien. Daniel? Il y a du rythme, il y a de l'action, moi j'adore. Hein. En revanche... Moi, je me suis pas marié tout le temps, j'étais terrifié. Je sais. J'étais terrifié. Star Academy, 4e saison, c'est reparti. Mais il faudra que tu bosses ici aussi, parce que la musique, ça ne va pas suffire. Il faut pas te faire d'illusions. Tu vivoteras comme ça, 4, 5 ou 6 ans. Hey, tu veux que je devienne une rockstar ou quoi? Si tu m'empêches d'atteindre mes rêves, ça ira pas entre nous. Je n'y connais peut-être rien en art, mais je connais très bien les adolescents, par contre. Tu me fous la paix, ouais? Je dirais tout! La vie, tu prends ça à la légère, hein? Tu te fiches pas mal des autres, tu penses qu'à toi. Ben, je préfère me tirer. T'es plus un gamin, faudrait que tu penses à franchir le pas. Vous êtes un imbécile! Dans un cas comme dans l'autre, tout le monde doit marcher d'un même pas, au nom de la cause. Maman, je ne suis pas comme les autres enfants. Je suis différent. David était souvent blessé et frustré de la façon dont il était traité. Mais depuis que j'ai découvert Fit TV, ma vie a complètement changé. Il répétait sans cesse qu'il était le meilleur, que Dieu lui disait qu'il était le meilleur. Maintenant, c'est définitif, mademoiselle. La musique devient toute ma vie. Souriez. On dirait que vous aimez la télévision. C'est bon, ça. Mais pourquoi pas avoir passé le bac? C'est pour dire non. Pour dire non, ouais, exactement. Pour dire non et par peur de l'échec. Et donc par peur en même temps de la réussite, quelque part aussi. Enfin, chérie, tu ne veux pas aller à l'école pour apprendre des choses? Je peux toujours regarder les pubs à la télévision. Bjork. Un événement Barclay. C'est la vie. Il y a plein de choses plus importantes que l'argent, comme mes amis. Tu te feras de nouveaux amis. Je vais finir par vomir. Yeah,
Notre aspi-robot Samba vous est proposé au prix de 359€ que vous allez pouvoir régler en 4 fois sans frais. Je prête allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République fédérale, un seul Dieu, une nation indivisible, liberté, justice pour tous. J'ai pris une décision. Mon père va sortir de ma vie pour de bon. Ils sont victimes d'une terrible accoutumance. Non, il ne s'agit pas de drogue, c'est la télévision. Je n'aime pas la télévision. Je l'adore. D'un amour absolu, je lui pardonne tous ses défauts. Il allait devoir affronter l'une de ses pires angoisses. La réalité. Oh. Il est devenu complètement fou, je peux pas laisser faire ça. Écoute, ouais, attends, il va se calmer, d'accord ? Le fait d'avoir perdu la guerre n'a pas dégoûté les Allemands du fascisme. Être malheureux, ça me fait du bien. Tes copains ont toujours été un peu bizarres, mais à ce point-là... Qui résiste à toutes les folies ! Et tout le monde ne peut pas en dire autant. D'accord, c'est vrai. Je suis une artiste et j'ai des rêves. Tu crois que ça m'aiderait ? Tu crois vraiment ? Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors ? Attends, elle a pas son mot à dire, tu fais ce que tu veux, non ? Moi, je fais ce que je veux. Bon ? Tu bois un peu vite, hein? Ouais, ben, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Vous suivez vos propres désirs. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Nous devons le prendre au premier degré, second. T'as jamais mangé de caviar? Non, j'ai jamais mangé de caviar. Oh, bah, il faut que tu manges du caviar. Tu veux faire quoi ce soir? Mourir. Ça t'ennuierait que j'écrive une chanson sur ce qui t'arrive ? Il a pété les plombs, quoi ! Alors là, aucune idée. Allez, venez, faut y aller. Où ça ? Il n'y a aucune surface plane en Europe. À Paris ou à Londres, c'est exactement pareil. Seigneur, accorde-moi de prendre les bonnes décisions lorsque, la nuit, je suis tenté par la masturbation. Je ne suis vraiment heureux que lorsque je m'applique à ne vivre que pour toi et que je renonce à toute pensée impure. Amen. L'ignorance, c'est le bonheur. Tu crois que je déteste la vie au point de... Jimmy ! Laisse-moi encore une chance. Non, mais tu es un malade, tu sais. Les pauvres types dans ton genre ne devraient jamais avoir... Ou tu vas te sentir triste toute ta vie, ou tu seras peut-être un peu triste pendant quelques temps, et tu te secoueras et tu seras prête à faire des tas d'autres choses. Mais je crois savoir ce que tu vas choisir, parce que tu aimes beaucoup trop t'amuser. Je suis contre l'homosexualité, je hais l'homosexualité, c'est un péché, mais je ne suis pas contre le pécheur. J'essaie d'aider le pécheur, j'essaie d'aider... Immersion totale dans un monde sans pitié. Les Arabes dehors, les Noirs dehors, je suis raciste moi. Enfin, c'est pas un artiste qui va refaire le monde. C'est un artiste qui pense justement à ne pas le perpétuer, disons, donc il va pas le refaire. Les Asiatiques, ils veulent profiter de tout. Mais la vie est merveilleuse quand on flirte dans les coussins, mais ensuite elles prennent du poids. Pétasse ! Avec son moi, l'artiste peut se compromettre et compromettre les autres, de confidences intimes en confessions truquées. Ce mec est totalement allumé. Et ce coup-ci, je sais ce qu'il a. Il a qui s'est foutu de toi, c'est tout. Ce jeu peut devenir un jeu dangereux, un jeu profitable, une marque de fabrique. La révolution, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent plus aller dans les maisons de disques, qui disent on fait notre truc nous-mêmes. Je suis souvent seule, j'ai l'habitude. Ouais, je sais. Il existe de nombreuses façons de se planter. Ceux qui ont besoin d'une autre personne pour justifier leur existence et pour se sentir entiers ne font en fait qu'un rejet angoissé de leur condition d'être humain. Vous allez pleurer encore pendant combien de temps ? Vous n'êtes plus des enfants. J'ai juste bu un petit verre, t'en fais pas, fiston. Je t'en sers un verre ? Oui, volontiers. Il remet en question la réussite, l'acte créatif. Bref, l'art en entier et lui avec. De l'ignorance naît l'intolérance. Je t'aime, mon ami. Je vais m'en sortir. Bienvenue dans Animal Crossing, la simulation de vie dont vous n'allez plus pouvoir vous passer. Je ne ressens plus rien et c'est idéal. Sachez que les garçons ont peur. Que c'est idiot d'avoir peur parce que je ne mords pas. Crois-moi.
Un jour, tu me remercieras. Crois-moi, un jour, tu me le paieras. Appelez vite le 10-00. Je sais pas ce qu'il avale pour être heureux. Tout est beau, tout est rose quand on boit. On va boire un verre ? J'étais ivre avant midi tous les jours. Et au lieu d'essayer de comprendre ce qui m'arrivait, je préférais continuer. Ça procurait une certaine stabilité dans le chaos. Comment est-ce que tu peux être aussi débile ? La meilleure protection reste l'abstinence. Sans rapport sexuel, on ne se retrouve pas enceinte et on n'attrape pas de MST. J'ai craqué, c'est vrai. C'est Eva quand elle m'a dit de laisser tomber le pastis. Alors là, non, merde, quoi, c'est naturel, le pastis. Oui, bonjour, je suis alcoolique. Eh, j'ai pas dit que t'allais finir clodo dans la rue, petit. Et tu devrais faire gaffe, t'es sur la liste d'attente. Je suis qu'une merde. Évolue, évolue. Fais pas semblant d'évoluer. Si seulement je pouvais disparaître. Tu as besoin d'aide. Je suis normal. Normal ? Et ça te fait quoi alors, les cigarettes et boire ? Tu sais, pour être honnête, après toutes ces années à boire et à fumer, quand je regarde dans le miroir et quand je vois ce que je vois... Oui ? Ou alors le moment entre la cigarette avec le café du matin et le 900e verre de vinasse de merde le soir... Dans ce moment-là, là, oui, je me dis... Oui ? Oh, c'est fantastique. C'est le paradis. Regarde, je suis minable. Je suis pas beau. Aujourd'hui. Je suis désolé, ça... Ça n'arrivera plus jamais. Hein ? Ça changera jamais ! Jamais ! Je crois que tu as assez bu. Eh, je suis simplement joyeux. Pourquoi Madame Dieu a-t-elle été rayée de l'histoire ? On m'a appris des choses formidables. On m'a appris que je pouvais m'aimer, par exemple. Ça, c'est la raison pour laquelle je ne veux plus de petite amie. Quand on veut, on peut. Non. C'est la tradition, allons ! Les exécutions publiques l'étaient aussi. Enfin, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Peut-être que je suis à moitié fou. Ou bien peut-être que je me suis laissé éblouir. Pour moi, c'est un idiot. L'Amérique est en train de changer. Moi, je suis rien. Comment est-elle morte ? Devant la télévision. Faites la fête avec du céleri. Il avait le courage de penser que la vie pouvait être aussi géniale qu'on l'imaginait étant enfant. Et toi, tu crois toutes les conneries qu'on dit à la télé ? T'en es accouché avec ton psy ? Je m'implique dans mes dents. Désastre personnel. À une certaine époque, je lisais la Bible tous les soirs. T'avais pas la télé ? Ma télé, c'est moi qui la commande. Tu me donnes envie de gerber. Grandir, pourquoi faire ? Où allons-nous ? C'est de l'alcool ? Et alors ? Alors on est encore au lycée et on... Je sais pas pourquoi je suis mou comme ça. C'est normal, tu es en pleine croissance. Alors comment ça va ? Pas aussi bien que toi. C'est parce que je suis bourré. Je sens que je vais friser la folie. C'est pas parce que tu peux avoir des bébés qu'il faut que tu en aies. Ah ! Je suis pas un gay, je suis pas gay. Vous voulez rire ? La vie n'a rien à voir avec ce que tu pensais quand tu étais enfant. Mais je veux pas mourir ! Ben dis donc, elle sait ce qu'elle veut, Avril, hein. Tu vas avoir des ennuis, hein. Mais je le sais, bon sang ! Je sais que j'aurai même de grands ennuis, d'accord ? Seulement, je ne sais plus du tout ce que je fais, maman ! Et tu veux que je te dise quelque chose ? Tout ça, c'est ta faute ! J'ai pas demandé à naître, moi, pas du tout ! Et je n'ai rien demandé, surtout pas ça ! Toi et tes diatribes existentielles, tu es trop nihiliste, je l'ai toujours dit. On a dû l'opérer. Il est bizarre, c'est plus fort que lui. L'important, c'est pas ce qu'on est. L'important, c'est ce que croient les autres. C'est incroyable comme ma vie est médiocre. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il allait se flinguer. Quoi ? Se flinguer ! Se flinguer ! F comme faux cul, L comme larbin, I comme idiot, N comme nul. Nous savons tous qui nous sommes.
sommes et où nous voulons aller. Enfin, la majorité en tout cas. Je vous prie de vous taire et d'être exploité en silence. Rien ne doit vous empêcher d'être heureux. Tu dis vraiment n'importe quoi. La femme qu'il te faut est quelque part. Et bien tu veux que je te dise, tu ne la trouveras jamais. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'en as pas envie. Tu es tout seul parce que c'est vraiment ça que tu veux. Tuez-moi ce joueur, je veux le voir mort. Arrête! Tu vas pas hurler parce qu'il a lu ce que tu as écrit. Ta gueule! Ce que j'écris, c'est pour moi et ça n'intéresse que moi! J'en ai marre. Elle a complètement pété les plombs. T'es pas du tout le genre à toucher à toutes ces saloperies. Si elle le croit, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Redécouvrez les pattes. Vos cheveux rubis et ça vous rend complètement parano? Le meurtre reste une activité illégale. La réponse, c'est non. Je n'ai pas de petite amie. C'est sûrement ça le problème, Marc. À ton âge, tu devrais en avoir une. Encore quelques mauvaises nouvelles, il va péter un plomb, tu peux me croire. Mais il courait sur lui les bruits les plus bizarres. Entre autres, qu'il avait été interné. J'ai personne, maman. Je me sens tellement seul et mis à l'écart. Je vous déteste! Je vous déteste tous! J'aime bien les jeunes, il me faut rire. Les gens sont très différents et c'est une excellente chose. Les deux jours sans télé. Nous pourrions en faire un événement et qui sait obtenir des sponsors. Redécouvrir l'art de la conversation. C'est sympa les poissons panés. C'est du vin? Un peu, oui. Je vais rajouter du rhum, ça fera au moins 15 degrés. Tu dis putain, mais cette gonzesse, elle a des couilles quoi, parce que Manson, il aurait été incapable de faire ça, lui et tous les autres, qui se la jouent super rebelle, genre ah ah ah. Merry Christmas and Happy New Year! Peut-être que je me trompe, mais il n'y a aucune différence entre un blanc et un indien qui sniffe de l'essence. Un drapeau des États-Unis d'Amérique, un seul peuple mis dans une seule nation indivisible, la liberté et la justice pour tous. Il est interdit d'interdire. Bravo! Champagne? Je ne bois pas. Non, mais comme toutes les bonnes choses, c'est un goût qui s'acquiert. Et votre nom, s'il vous plaît? Pierre Lavinas. Pierre Lavinas. Votre question? Sur quoi je peux m'appuyer avec des parents comme les miens? C'est un malade! Je dirais me suicider, je te jure, je le ferai. Mille façons de mourir. Une seule façon d'être heureux. Très bien, bénissons-le maintenant. Très bien. Les meilleurs moments de la télé. Nous, on voudrait savoir ce qui se passe quand on n'a aucune aptitude pour quoi que ce soit. Non mais, je veux dire, en général, dans des cas comme ça... Appelez le 0825 10 11 10. Tiens, j'adore bouffer. Je bouffe tout le temps. Quand il a découvert que j'essayais d'être enceinte de lui afin de le contraindre à quitter... Quand on aime, on fait tellement de concessions que ça en devient chiant. Non! Non! Reçois les photos les plus sexy de la fille du Père Noël sur ton mobile. Je comprends pas ce qui m'arrive. Rien du tout. Tu es en colère et tu es triste. J'ai toujours eu de l'humour. Et j'adore ceux qui s'en aperçoivent. Mon psychiatre traitant m'a dit que je devais me faire au moins un ami. Est-ce que t'es cinglé? Atterris un peu, reviens sur Terre. Tchou 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 tchou. Mais moi aussi je t'adore, Marc. Fran, tu veux bien l'éloigner? Oh. Mais pourquoi? Pourquoi? T'es plus un adolescent. Sale petit con! Je te hais, tu entends? Crazy Night, tous les lundis à 21h. Arrête d'être homosexuel! Mais enfin quoi, est-ce que je ressemble à un gay? Ce gosse se drogue. La drogue? C'est de la merde. Inversement, est-ce que la merde, c'est de la drogue? Logiquement, oui. Le problème avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils savent plus faire la fête sans se défoncer la tronche. Si je devais voter une loi, je demanderais qu'on vous fasse tous stériliser. Si vos parents veulent acheter un siège de toilette en bois tropical, empêchez-les. Ferme ta gueule, ta gueule. On est déjà en 2005, déjà tu nous fais chier avec ta morale. 51 morts. Je ne ferai rien et je ne serai jamais rien, ni homo, ni hétéro.
sois pas un bébé. Tout le monde doit mourir un jour. Alors pourquoi perdre du temps à vouloir en gagner ? Deux hommes ensemble, c'est dégoûtant. Quand on voit telle ou telle personnalité souvent à la télé pendant une semaine, on considère que c'est quelqu'un d'important. Ça, ouais, ça a été mesuré par des questions. Avec Abdo Plus, vous tonifierez vos abdominaux. Ça s'appelle de la folie, Andy. J'espère que la mienne est aussi démesurée. On ira justement climat de guerre pour les premières élections. Oh, ça n'a pas besoin d'être parfait, Hyde. C'est de l'art. De l'art ? T'appelles ça de l'art ? Tu te tortures tout seul parce que tous les gens que tu connais vont de l'avant, c'est pas vrai ? Qu'ils font des choses dans leur vie, leur carrière, et que toi tu connais rien de tout ça ! Je n'ai pas très envie de rire. Love and marriage, love and marriage. Tiens, t'as un mot ? Caca. Ah, ça te plaît d'être dans la merde, toi ? J'avais envie de disparaître. Il ne faut jamais demander pardon. J'ai pas dit que j'étais stupide. Mikey, so sick. You don't even know. Janet considère la passion de Brad plus complète que celle de Barbara. Vas-y, plus tu bois et mieux tu te sentiras. Fais-moi confiance. Non mais t'es malade. Oh merde. La parole, il est fou. Il est fou. Mais non, parce que je ne suis pas... Vous avez vu Jimmy ? Il était tout drôle, on aurait dit qu'il était dingue. Bah, il faudrait le soigner. Vous me détestez, hein ? Vous l'avez fait exprès pour me rendre folle ! Eh bien, ça ne marche pas ! Qu'est-ce que j'aimerais prendre un cachet pour me filer la pêche ? Tu es cinglé ! Les filles n'en valent pas la peine. Je suis un artiste et cinglé ! Tu dis... Oh, mais arrête de me dire ce que je dois penser ! Les femmes sont poilues aussi. Oh, maman, je disais ça pour rire. Ça n'a rien de drôle. Avoue-le, tu es incapable de te maîtriser. Je te trouve pathétique. Il est temps que tu grandisses. C'est le moment ou jamais. On se rapproche du haut du classement. La construction touche le sol. Tu n'es pas encore mort. Prototype de train. Matière grasse et tout. À ce moment-là. Et son combat vive. On voit au... Doucement là. Mais il va devenir fou. Je crois qu'il a grillé un fusible. Ouais, je pense la même chose que toi. La vie est belle. Est-ce que tu peux être stupide ? Il va bien falloir que de temps en temps je me conduise comme une adulte. Prête à transformer vos cils ? Nouveau. Exactement, oui. Depuis quelque temps, on croirait que tu es dingue. Non, écoute, ces temps-ci, j'ai quelques difficultés à savoir qui je suis, mais c'est tout. Oh, quelle joie de vivre avec un dérangé du cerveau. C'est très bizarre comme les parents peuvent d'un seul coup devenir extra-lucides. C'est assez troublant. Les médias américains n'en parlent tout simplement absolument pas. Pourquoi tu te fais des choses pareilles ? Ça te donne du plaisir ou quoi ? Eh, mais j'ai pas demandé à venir au monde ! Et dans ses songes, il lui envoya un baiser invisible. On n'est pas sortis ensemble très longtemps. Je suis sûre que tu as eu d'autres flirts. En réalité, non. Et au lieu de devenir un homme, bah, je suis devenu une loque, quoi. Une merde. Bravo, j'imagine qu'elle a dû avoir vraiment pitié de toi. Vous avez besoin de plaire, évidemment, comme ouais. tous les artistes. Et vous... il en a marre de ce qu'il fait, il en a marre de son public, ce qui est quand même grave. Sa maman est là ? Oui, monsieur, dans la cuisine. Ton programme qui dépote, c'est tout de suite avec Star Club. La liberté a un goût de chocolat. En fait, j'ai une vie carrément sinistre. I don't wanna be me. You're beautiful. Y'a pas autre chose que cette musique de naze. Je m'inquiète pour l'avenir de ce pays, moi, oui, vraiment. C'est un jeu, hein. Comme ça. Si tu poursuis ton traitement, tu n'as aucune raison de faire une rechute. Oh non. Vous savez pas ce que c'était vraiment. Ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Même pas à vous deux. J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment, vraiment besoin d'aide. Est-ce que t'as déjà parlé à un politicien ? Non, mais je leur crache dessus. Grâce à toi, je sais qu'on peut avoir espoir en la jeune génération. On peut pas mourir tranquille dans cette maison ! De toute façon, les suicides dans une baignoire, ça rate toujours. 100% pur plaisir. Il faut que tu prennes des forces. Non, puisque je vais crever. Et point.
Maman, avant tout, sache une chose, je suis pas pédé. Quand on regarde les autres de plus près, on s'aperçoit qu'ils sont étranges, très compliqués. Mais qu'en fait, ils en deviennent beaux. Même moi, peut-être. Je suis quelqu'un d'horrible. Depuis que j'ai 10 ans, la vie me paraît si compliquée. T'es un dingue de télé. Ah, je suis un fou. Vous êtes malade. Yes, I lost my mind. Infirmier, s'il vous plaît, vous pouvez venir avec la camisole parce que... C'est juste pour être dans le journal que tu fais tout ça. J'ai des problèmes. J'en suis conscient. Si vous êtes cannibale, à l'évidence, vous êtes très différent. Découvre si tu iras en enfer ou au paradis. Envoie péché au 8. C'est mon droit de me suicider comme je le veux, et je veux le faire comme ça. Quand j'étais à l'école, je croyais vraiment en moi, tu sais. J'étais sûr de pouvoir devenir quelqu'un. Quelques canettes de bière plus un écran plasma, c'est tout ce dont les hommes rêvent. Les résultats de vos tests psychologiques montrent que vous avez très peu d'estime pour vous-même. Est-il bien nécessaire de me dire vous plutôt que tu, si c'est pour par derrière me botter le cul? T'as la télévision? Ah, génial! Avec toutes ces séries complètement nulles. Alors là, j'ai plus qu'à me suicider. Je ne changerai jamais. Oh, moi, je suis un dingue. On est des artistes, des futurs stars, on a le droit à l'erreur. Tu parles, t'es un raté, oui, un crève la faim. T'es en colère? Non, j'ai pas en colère, j'ai envie de pleurer. Vous savez bien comme les artistes sont paranoïaques. Que tu manques d'amour? L'amour, je peux vivre sans. On a plutôt l'habitude d'encourager la masturbation. C'est un moyen de vivre un besoin naturel et d'éviter les MST. T'as disjoncté, tu sais plus où t'en es. Comment se fait-on interner aussi rapidement? Et à part ça, comment ça va? À part ça, je suis fou. Non, tu n'es pas fou. Pourquoi je suis sous traitement alors? La seule chose qui me ferait plaisir, c'est de vous voir mourir et souffrir. J'en ai marre de vous. Oh, ne sois pas ridicule, enfin, un baiser, ça ne peut pas s'oublier. Moi, j'ai déjà oublié. C'était même pas un baiser, c'était une humiliation. Ma réalité, ma pardonnée. Quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un pour me cracher dessus. Ça veut dire quoi, déprimé, papa? Déprimé, ça veut dire qu'on se sent triste, qu'on a le cafard. Pourquoi est-ce que tu veux tout analyser? Parce que tout ça n'a pas de sens. Ne vous laissez pas enfermer dans ce que quelqu'un d'autre considère comme le monde réel. Choisissez votre propre réalité. Vous le valez bien? Il est fou ou quoi? I like big butts and I cannot lie. Non, attends, tu ne crois pas que tu es un peu paranoïaque? Welcome to my life. Il boit trop, il lit trop, et surtout il est hanté par le souvenir de Anna, une femme qu'il a aimée très longtemps, et qu'il ne l'aime plus, et sans retour. Dis-moi si je suis folle. Oh, on est fou. Tu es heureuse, maman? Pourquoi tu pleures? Leave me alone. Je supporte très mal d'être rejetée. Je ne t'ai pas rejetée du tout. J'ai une très mauvaise image de moi-même. Oh, qu'est-ce que t'es rigolo quand t'es bourré. Ouais, bah tu vas voir, à jeun, je suis moins marrant. Ouais, on est à l'époque du sida et moi je veux savoir où sont les PD. Je suis gay. La plupart des artistes sont un peu PD sur les bords. Il va bien falloir que de temps en temps je me conduise comme une adulte. C'est un de mes petits défauts qu'il faudra que tu acceptes. C'est le diable qui basique. Pense au pognon. Nos vies sont gouvernées par les horloges. T'ont laissé sortir de l'asile? Si EDF ne vous le dit pas, qui vous le dira? T'es fou? Mais tout va très bien. Ce n'est pas vrai. Si. Le suicide était presque parfait. Ma musique de 90 à demain avec... I think they can make it a better place. On a beaucoup de mal à ne pas devenir fou.
On dirait que ça n'a pas l'air d'aller. Comment ça? Tu sais, toi, ce que c'est que de ne pas aller? Alors que tout est parfait pour toi, tout est toujours magique. Bien, excuse-moi de mettre un peu de joie et de bonne humeur dans ce monde. Isabelle cuisine très bien. Comme toutes les femmes. Tout ce que je te vois faire, c'est manger et dormir. La télé vous dit à quelle heure allez-vous coucher. J'existe. Je suis une star, Oh, non, je suis personne, bordel de merde. Vous êtes irrésistible. T'es tombé sur une folle. Vous m'écœurez. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Mais que fait la police? J'étais personne. S.O.S. please someone help me. Arrête de coller. Tu me fais juste l'effet d'être un pervers. Masaki mange toujours tout ce qu'il y a dans l'assiette à la cantine, même les légumes. Tu étais complètement chaud. Non, j'étais bien. Tu te débrouilleras très bien. Tu as du talent, tu es intelligente. Tu es prête. Et si je ne le suis pas? Claire, je peux te confier un secret. J'ai pas vécu une journée sans avoir la trouille. La trouille de pas être prêt, de ne pas être dans le vrai, de ne pas être ce que je devrais. Et j'y ai gagné quoi? Nous croyons en l'abstinence. Je vous signale que le comportement asocial est précisément ma grande spécialité. Docteur Mépine, voulez-vous nous dire quelques mots? Va te faire foutre! Tu vois, regarde, tu vois, tu vas grandir, regarde. Est-ce que ça vaut le coup de grandir? Allez au diable! Pour te rendre visite, PD? You're down and trouble and you need... Je prendrais bien un scotch. Est-ce que tu te rends compte que tu bois beaucoup? Un lait plutôt. Est-ce que je surmonterai ça ou est-ce que ça me rendra totalement cinglé? C'est fou! Les hommes et les femmes peuvent bel et bien être amis tant qu'ils finissent par coucher ensemble un jour. Non mais ça va pas! Vous êtes complètement fous! Y'en a marre! Toi tu préfères l'anarchie, le désordre. C'est pas possible, tu peux plus rester enfermé comme ça dans ta chambre tout le temps. Faut que tu refasses des études, c'est pas moi. Toute cette histoire est en train de me rendre cinglé. Tu veux boire un soda? Je ne touche jamais à ce genre de boisson. J'ai pas envie de regarder les gens alors qu'ils viennent de sortir des toilettes et je n'ai pas non plus envie d'être vu alors que je sors des toilettes. I don't want to sit on a lemon tree. Faut dire que d'une certaine manière, je suis un adulte. Mais d'un autre côté, soyons réalistes, je ne le suis pas. Il aime le baseball, les robots et surtout, comme tous les enfants de son âge, la magie de Noël. Maybe I'm crazy. Eh oui, en effet, le temps passe vite. Pendant le sport, on popote, on s'éclate et on popote. Je veux exister, c'est tout. Après, je rentre chez moi. Et je veux réussir ma vie, tandis que toi, tu as l'air de rien faire de ton temps. C'est moi qui vais devenir fou. Mais vous pouvez me regarder avec un air dégoûté, m'insulter quand vous m'appelez le monstre. Je sourirai quand même, parce que pour moi, c'est un signe de réussite. That's success. Mais il va péter les plombs, mon fils. Mais non, il va pas péter les plombs, madame. Mais s'il va péter les plombs, vous le connaissez pas. Observez comme la nature, dans sa grande beauté, a eu soin de mettre en chacun d'entre nous un grain de folie. Chez les scouts, les soirées se ressemblent. Il y a des gens très dangereux. Attendez-moi. Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Le meilleur conseil à donner aux gens, ce serait d'éteindre la télé et de faire autre chose que de regarder la télé. Elle essaie de me faire passer pour une folle et je ne vais pas me laisser faire. Tu es une merde. Tu es une merde. Tu es une merde. Un problème de drogue, c'est vraiment dur pour une famille. Quoi, vas-y, donne-moi une bonne raison pour sortir avec une fille. Le sexe, c'est important dans la vie. Je compte juste vivre ma vie et je vais te dire, je crois qu'elle va s'améliorer à partir d'aujourd'hui. Mais c'est faux. Je bois
Je fume, je suis toujours en retard. T'es devenue folle? Je ne suis pas une merde! Et je suis vraiment heureuse! La nature d'un amour véritable est de ne pas être de tout repos. Les alcooliques, par exemple, ils ont constamment besoin de boire. Pourquoi ne pas rester boire un verre? Viens là! J'ai envie de faire caca, hein. C'est fou comme histoire et... Il déprécie tout. Et puis il est tellement négatif. Il fait aucun effort. Il faut le porter à longueur de journée. Lui remonter le moral. On a le droit d'être malheureux, d'avoir des problèmes quand on est ado. Je suis fou d'elle, mais elle ne fait pas attention à moi. Ça arrive, ces choses-là. Peut-être qu'une petite chiquette de champagne donnera l'illusion que tu t'amuses comme un fou. Qu'est-ce que je connais, moi, de l'amour, des relations amoureuses et de tous ces trucs-là? Naissance, mort et sexe. Mes agneaux, croyez-moi, la vie n'est que cela. Suce-moi, papa. T'es con! Genre, les parents, ils sont tarés aujourd'hui, hein. Les adultes ne sont que des enfants devenus grands. She's there, oh. Toujours célibataire et sans attache, c'est bien mieux. Je suis trop tarée. Je suis un minable et un nul. Et votre fils aîné alors? Quelle est sa vocation? Il est scotché à la télé. La télé rend stupide. Tu es d'une hypocrisie totale. Souvenir qui ressurgit dans ma mémoire. J'ai 16 ans maintenant. Et que ça plaise ou non, les choses doivent changer. En plus, t'as le choix, t'as la défenestration, t'as le revolver, le gaz. Tu vois, faut dédramatiser avec le suicide. Ben voilà, c'est la rentrée. Tu vas pas chialer, non? Je veux qu'on me remarque. Tout le monde me déteste, même moi je me déteste. Je suis dans un état, j'arrive pas à m'en sortir. Dis-toi bien que la déception fait partie intégrante de la vie d'une grande personne. Oui, ça va aller. Tu m'as jamais communiqué tes sentiments. Oh, non, parce que d'autres, tu les communiques, hein. Toi, tu les communiques, mais tes sentiments. Mais moi, je suis pas attiré par toi. Je te l'ai. C'est un fantôme de ma jeunesse que j'aurais dû chasser depuis longtemps. La fin de ta vie, tu sauras qui elle est sur ton lit de mort. Indirect zum Mördern gemacht. Les programmes d'MTV rendent le monde meilleur. J'adore me maquiller. Le maquillage, c'est capital, surtout pour une fille. Tu veux devenir une vraie fille? C'est ça, l'art moderne, ça peut être fait par un enfant de 3 ans, personne ne s'en rendra compte. Ça doit être dur d'exister en tant qu'artiste. Tu vas pas rester au RMI toute ta vie? Arrête. Je veux être le premier. Être la meilleure. Je veux changer. Tu crois que les mecs aiment être célibataires ou toi et tes copains, vous voulez des copines? Je sais pas. D'accord, merci. Toi, tu as passé l'âge de te conduire comme un idiot. La sagesse du fou, c'est de savoir qu'il est fou. Je ne serai pas stupide. Tu as l'air spécial. Je suis spécial. C'est émouvant quand même. Si mon fils fait la folle, j'en mourrai. Ses amis l'appelaient Harry, mais Harry n'enculait pas n'importe qui, uniquement des femmes mariées. Qu'est-ce que tu préfères chez moi? Mes jambes? Mes fesses? Vire ton gros cul de ce lit! Je préférais avoir quelqu'un avec qui danser, mais je suis jamais sorti avec une fille. Je me sens moche. Ça fait quoi d'embrasser un garçon? Ça dépend du garçon. En tout cas, il faut qu'il comprenne que s'il reste derrière son écran, il va louper le coche de la vie. Je t'aime aussi, mon amour. Va te faire foutre! Vendredi 29 septembre. MySpace seront-ils gnangnans? J'aime faire mal aux autres. C'est comme ça que tu changes? T'as pas changé du tout? Je t'emmerde, toi, ta sale morale à la con. Il y a deux sortes d'écrivains, il y a ceux qui boivent et ceux qui ont arrêté de boire. Rien à branler. J'ai mis longtemps à la mettre, mais bon, je picole un peu. Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais je ne pense pas que l'alcool puisse vous aider à résoudre quoi que ce soit. When I was younger, so much younger than today. Tout le monde mourra. I am an anarchist. Vous êtes tous des crétins. C'est celui qui dit qui est tête de craie. On continue de se balader? Vous êtes sûr que ça remplacera avantageusement l'alcool? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire comme connerie, toi, quand tu dis ça? Nos artistes ont du talent. Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Vous vous saoulez tous les soirs? Non, certains jours, je suis sous à midi.
Vous croyez pas que vous êtes un peu trop jeune, surtout à cette heure-ci? Musique permet aux gens d'être ensemble. Il faut boire. Il faut surtout veiller à rester soi-même, mais en mieux. J'y arriverai jamais. Mais dis-toi que tu es en vie. C'est ce qui compte. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de me dire. J'aimerais encore être en CM1. La vie était simple à l'époque. Je crois que cette fois, ça y est. Quoi donc? Il est fin prêt pour l'asile. Les gens me prennent pour un cinglé. Pas question de se laisser stresser. Je voudrais faire quelque chose pour le bien de l'humanité. T'as pensé à la stérilisation? Des remarques? Elton, j'ai mal au genou. Bob est capable de résister à bien des choses, sauf à la télé. Je sais pas trop où je vais, mais je sais au moins que je veux pas être avec quelqu'un, ça serait trop la galère. Il a choisi sa propre voie. Pourquoi porter un jugement? Chacun son truc. Ne vois-tu pas que mon cœur ne bat que pour toi? Pour moi, une bonne fête, c'est une fête où on boit et où on se déchire la tête. J'adore sortir, boire. Tu ne portes pas ces gamins! Eh bien, fou, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je deviens dingue, je deviens dingue. Est-ce un cauchemar? Ou la folie qui guette? C'est terrifiant. Vraiment pété un fusible. Vous vous souvenez ce que vous a dit votre père au moment de l'internement? Il m'a dit j'ai pas le choix. Il m'a dit c'est pour ton bien. Vous êtes paranoïaque? Asile. Tu oublies toutes tes angoisses, tes incertitudes. Comme si tu te permettais enfin d'être vraiment ce que tu es. Un taré. Les gens ne pourront jamais se moquer de moi plus que je ne le fais moi-même. Ça vous a aidé? Un peu moins que l'alcool, mais... J'ai doigté et léché la plupart des filles avec qui je suis sorti. Tu as les mêmes expressions que ton père, parfois. J'ai absolument rien de lui. Ça va, toi? Tu as l'air triste. J'ai toujours l'air triste, c'est mon truc. Au fait, je suis gay. Passion and romance. Lui, c'est Rob. On est sortis ensemble, mais maintenant, il est gay. Et je vais me bourrer la gueule. C'est clair, très clair. Tant mieux. De l'amour à la folie. Les Tribal Kings se servent de leurs chansons pour communiquer leur bonne humeur et leur penchant pour les jolies filles. Tout le monde a déjà couché et j'ai l'impression que ça va jamais m'arriver. À 40 ans, je serai toujours vierge. Je vous emmerde, c'est moi la meilleure. Je te sers encore un verre? J'ai pris ma télécommande avec moi. Si ça chauffe trop, boum, je zappe sur une autre chaîne. On est seul, on vit seul et on meurt seul. Découvrez un monde fait de délicatesse. L'idée de me faire sodomiser me fait un peu peur. Il y a donc le sexe et le reste. L'enfer existe vraiment. Faites l'amour, pas la guerre. Je glande, je plane, je suis un hippie. T'as rien à foutre ici. Je vais mourir. T'es une vraie salope, hein? Mais t'es fou! Mais t'es merde, voilà! Mais t'es folle! Étant donné sa fragilité mentale, on ta gueule! Ta gueule! Dis-moi, Nick, tu vas faire le dingue encore longtemps? Je fais pas le dingue! Rassure-toi, j'ai pas perdu la tête. J'ai encore toute ma raison, Dieu merci. Et je ne suis pas prêt d'oublier l'attitude que tu as eue. Va te faire voir! Mais t'es folle! You blow up, je dois te paraître un petit peu cinglé. Tu m'as regardé? Est-ce que j'ai l'air d'un de ces artistes à la noix? De toute manière, c'est pas ça mon but. Donc je serai soit très très content et je boirai pour fêter ça, soit très très triste et je boirai pour oublier. Les garçons se cachent pour pleurer.
plus grosse des connes. Bernard Black est malade, il est cinglé. Je les entends d'ici, tous ces imbéciles. Mais ils vont voir, je vais leur montrer. So baby, I'll spend Christmas with you. Bien à vrai dire, j'ai détesté ma scolarité. Tu étais mal à l'aise. Je restais souvent à l'écart. Tu avais ton petit univers à toi tout seul. Oui. J'ai eu des périodes où ça allait pas et j'allais pas bien. C'est pour ça que j'ai resté dans mon coin. Je prenais de la drogue, quoi, alors que c'était pas la solution. When I'm on an acid trip, everything seems very much alive, very much full of energy and very, very beautiful. T'as besoin de te faire soigner. Tu sais pas de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de vrais amis. Ah oui, alors t'as qu'à te conduire un peu normalement pour changer. Rien ne peut être pire que ce que je vis tous les jours. Ils sont tous fous chez Malcolm, et c'est tant mieux. Bon, j'ai repris à faire du sport, autrement c'était l'hôpital psychiatrique, mais... Pourquoi est-ce que je passais toujours après tout le reste? Mais je suis seule. C'est toute seule, c'est vrai. Ah... Ça, c'est du bon bruit, ça. C'est pas un peu tôt pour venir au bar? Ah oui. Bon, tu m'attends? Marre des soirées télé en solo? Une fois de plus, je pète complètement les plombs. Mais ça n'a rien à voir avec les autres fois. Tu es fou. Vous aimez l'Amérique, monsieur? Bien sûr, je l'adore. L'Amérique, en état de choc. Début de semaine, Britney Spears à la dérive se rase la tête. Le temps des cerises est mort. Britney Spears, chauve. Pourquoi ce geste fou d'autodestruction? Elle a carrément pété les plombs. Je ne suis ni hétéro, ni gay. Je suis bi. Je veux me raser les cheveux. Britney va alors commettre l'irréparable et se raser la tête toute seule. Je trouve qu'un homme qui boit seul, c'est déprimant. Le week-end totalement taré de Britney Spears qui samedi s'est rasé la tête chez un coiffeur de Los Angeles. J'aimerais avoir 10 ans. On peut pas remonter le temps? J'ai peur que non, chérie. Vous savez que Peter Pan est devenu tellement célèbre qu'il a même donné son nom à un trouble du comportement, le syndrome de Peter Pan, dont sont atteintes certaines personnes qui refusent de grandir. Faut pas avoir peur de grandir. Je sais, c'est pas facile de changer, mais parfois, dans la vie, faut savoir laisser des choses derrière soi, hein. T'es un gosse, j'ai compris. Je dirais plutôt que tu es dingue. Je ne vais pas mourir, d'accord? Elle est folle. Est-ce que vous avez du talent? Du talent? Beaucoup, oui. Que se passe-t-il? Tu entends encore des voix, c'est ça? Est-ce que tu réalises que tu te conduis comme si tu sortais d'un asile? What I know, that I'm a loser, yeah. Allez vous foutre une balle dans la tête. C'est difficile de te comprendre parfois. Tu as absolument tout pour toi et malgré ça, systématiquement, tu t'arranges pour tout gâcher. Le but, ne pas se prendre au sérieux. Tu peux continuer à jouer les dingues autant que tu veux. J'ai tout mon temps, moi. Il est fou ou quoi? Je pourrais très bien vivre sans télé. Obsédé par le porno. Vous n'avez jamais réussi à oublier votre premier amour. Vous avez retrouvé votre premier amour et vous avez succombé. Chaque instant de ma vie n'a été que la morne attente de ce moment. I want love. Elle était adorable, cette petite pute. Le moindre je ne vais pas m'interdire de boire de l'alcool. D'accord. Parce que... Deux bouteilles de bière sur le mur, deux bouteilles... Au nom de Jésus, je libère cet esprit du démon de l'alcool. Est-ce qu'il est trop dur dans la vie à supporter sans alcool? La vie n'est que déception et amère déconvenue, c'est tout. Mais tu deviens complètement fou. Consultez. Tu sais comment je sais que t'es gay? Comment? T'adores Coldplay. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure ou de ce que je peux ressentir. Cette crème a tout pour elle, grâce aux propriétés des sécrétions d'escargot. Est-ce que Jeffrey n'aurait pas un peu forcé sur la bouteille? J'ai l'impression qu'elle savait que ce produit ne marcherait pas. Oui. Je sais pas pourquoi je ris d'ailleurs, c'est pas très drôle. Mais t'es fou. S'est lancé dans la vie, devenir autonome, ça demande énormément d'énergie. Tout le monde a peur, moi j'ai peur. Ne soyez pas inquiets si vous devenez paranoïaque, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu essaies de prouver que tu dérailles complètement? Thomas, téléphone, ton téléphone sonne.
Et je tiens à vous dire, à vous qui m'avez vu très, très déprimé, que ça fait du bien d'être à nouveau en forme. Tu ne vois pas que tu es un raté, Hugo ? Un pauvre raté ! Je ne me souviens pas de tout, mais suffisamment pour savoir que mon comportement n'était pas normal, loin de là, et pas acceptable. J'ai vraiment pété les plombs. On s'est embrassé, on s'est caressé, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus ? Qu'est-ce qui pourrait vous pousser au suicide ? Rien. Nous allons maintenant entrer dans les méandres d'un esprit malade. Une femme doit renforcer ses os. J'aime que tu boives de l'alcool l'après-midi. Tu es malade. Tu peux me servir un verre, chérie. C'est pas un peu trop tôt? Tu dois tout le temps sourire. Il faut que tu aies l'air heureuse, même si tu ne l'es pas. Je suis prêt à tout. C'est vraiment ce que je veux. Je veux que tout le monde m'aime. Je veux changer. Ok, les filles. Mais t'es malade. Je suis un robot invincible. Je n'obéis à aucune règle. Les histoires de cul en général, tu comprends pas grand-chose. C'est possible. Mais t'es fou. Pour obtenir ce qu'on veut, tous les moyens sont bons. Vous n'êtes pas autorisé à faire ça. Pas plus que de vivre en dehors de la société. Pourquoi Je trouve que la liberté, c'est un luxe. Autant en profiter. J'aime la liberté, madame, mais je n'aime pas ce qu'on en fait. Mais ça va pas, tu es folle. Dieu est partout autour de nous. Il est en vous, il est en moi. Ami Jésus, je prends ta défense. Il y a des antécédents d'alcoolisme dans votre famille. Pourquoi je n'arrive pas à toucher les gens? La loi est la loi, monsieur. Arrêtez, s'il vous plaît, je suis complètement au fond du trou. Je ne crois pas. Je vous le dirai quand vous serez en bas. Le plaisir est essentiel pour s'épanouir. Tu es fou, tu as perdu la tête. On ne devient pas artiste. On est artiste. Certains rêves doivent rester des rêves. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Je suis un vrai dingue. Alors vous êtes un vrai malade. Bon, depuis quand t'as arrêté de boire? Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. T'es malade ou quoi? Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école alors? Je ne sais pas trop, mais ce que zappe l'école, ils l'apprennent par la télé. On n'est vraiment pas assortis. Je suis sain d'esprit, t'es cinglé. Mais c'est quoi tout ça? Une performance artistique. C'est de l'art, chérie. Vous êtes pas mort, vous? Pas le temps. C'est un malade. On n'a pas besoin des filles, crois-moi. T'es complètement cinglé. Tu deviens complètement paranoïaque. Et vous savez, n'oubliez jamais qu'une chose mène à l'autre. Moi, je déteste tout le monde. Je suis très négatif sur tout. Et pendant qu'on est là, on va boire plus de bière et voir à quel point on peut être bourré. Parce que tu bois, je me lacère la peau. Deviens fou. Il devient fou. C'est comme ça. Quand on regarde la télévision, après on est accro. Faites passer l'info. Voilà, ils ont la triste, ça me fait du bien des fois. La télévision accusée de tyrannie envers les téléspectateurs. Dis-moi, ça te fait quoi d'avoir tout raté dans ta vie? J'ai l'air d'un psychopathe. Petit, j'y suis pour rien, c'est à ça que tu ressembles. Les gens me prennent pour un cinglé. Il s'est avéré que la marijuana a été l'an passé la seule chose qui m'ait permis de tenir le coup. Je crois que tu devrais consulter un psychiatre, mon pauvre. J'ai arrêté de boire, je suis allé aux Alcooliques Anonymes. Faut que je me fouette. Bon, bah on va en parler alors. T'es en train de péter les plombs. Salut, je vous sers une bière. Et apparemment, la Noiraude est d'accord. Je vais à Rio, Rio de Janeiro. Je. Eh, hey, une bière en vitesse. Hein. Eh, hey Andy, une bière. Allez, allez, une bière pour le chef. Ok, à la tienne. Ça fait chier de vieillir, quoi. Vous savez, essayer de retrouver l'amour et l'amitié d'avant les souffrances. I wish I was special. Espèce de fêlé. Affichez votre attitude. Oui. Moi, je prendrais bien un verre. Il y a forcément quelqu'un qui te correspond sur le plus grand chat de France. Se masturber, c'est excellent pour la santé. C'est donner sa perception à soi de la réalité. Voilà. En plus, l'Angleterre ne voudrait pas d'un psychopathe comme moi. Est-ce que j'ai l'air d'un homosexuel? Non, je suis pas. Mais ouais, un petit peu. Ah bon? C'est vrai? Chime! Pour qui je suis, envoie A1 au 82-300! T'es fou! Eux aussi sont complètement fous et ils vont vous le prouver. La Bretagne, ça déchire! La Bretagne, ça déchire! La Bretagne, ça déchire! I'm your prisoner, I'm your thing. I just sing, sing, sing. Tu ne dois pas profiter des personnes qui t'aiment, c'est pas ton esclave. Mais si, j'en ai besoin! L'alcool, le cannabis et la fatigue. Margot et Marjorie pètent un plomb sur ton mobile.
Chaque année, des milliers d'enfants maltraités sont séparés de leurs parents. Carambar, qu'est-ce qu'on se marre ? Je suis bourré, je vois plus rien du tout, mais c'est ce qui m'aide à supporter la vie. J'ai l'impression d'être mort quand je suis avec toi. C'est parce que c'est un sale jaune de poivron, totalement imbibé d'alcool et qui passe son temps à picoler. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Parfois, je me demande si je suis pas en train de devenir folle. Je crois que j'ai les mêmes buts que tout le monde, tu sais. La réussite, l'amour, le mariage, les enfants. Il a pété les plombs. Tout le monde doit mourir. Parfois, on a besoin de débrancher, de vivre dans un monde de rêves et non de réalité. Et certains ne sortent plus du rêve. C'est facile de mourir. Check mon hip-hop, toujours au top. Mon flow ricoche, rap et mon job. Stop, jumpé, jumpé, jump up. Tony P, All-Star, NBA. Il a vraiment une tête de constipé. Ces derniers temps, j'ai l'impression que tout le monde me regarde bizarrement. Dans ce cas, le moment est peut-être judicieux pour arrêter de picoler, tu ne crois pas ? Je bois quand je m'ennuie. Je bois quand je suis stressé. Je bois. C'est comme ça. C'est ce que je fais. Je bois. Tu bois beaucoup trop. Tu n'arrives même plus à te contrôler. Ça me met très mal à l'aise. Et si tu veux tout savoir, ça met tout le monde mal à l'aise. Je me suis mis à détester la vie. Parce qu'aujourd'hui, une vie sans ordi, est-ce que c'est vraiment une vie ? Bah non. C'est pas possible que tu sois vierge. Je t'assure. Bon sang, tu dois te masturber comme une malade. Chris est au chômage et veut être artiste. Je suis pas fou. Quand on se dit artiste, on ne compte pas ses heures. Je me suis fiancée au frère de mon frère. Moi, je veux dire stop à mes rondeurs avant l'été. Trop fou le goût, Barba Papa, dans les nouveaux Malabar Crazy. Dans la vie, tout ce que tu fais est un compromis. Vous savez, moi, tant qu'il y a à boire et à manger, je suis content. Et on fait tourner la canette. J'arrête pas de penser à toi tout le temps. Fais comme si tu pensais que la vie valait la peine d'être vécue. Mon flingue et moi. Il a perdu la tête et il est devenu fou. J'en ai marre qu'on me voit seulement comme le gars un peu bizarre qui délire tout le temps. Il est clair que ce gars est un déficient mental, c'est évident. Il entend des choses. Et quel genre de choses ? Des voix, c'est ça ? Moi, je crois que tu serais plus heureux si tu sortais davantage et que tu faisais un peu plus d'efforts pour être sociable. On est en pleine folie, hein ? Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Même ce qui vous paraissait impossible peut arriver. Non mais t'es complètement barjou, ma pauvre. Alléluia. Rumeurs, règlement de compte, drame, scoop, rupture, scandale, bébé, sexe. Tu penses que j'ai vraiment pété les plombs ? Bien, je n'étais pas là, mais je dirais que... Oui. Aïe, j'ai peur que tu aies raison. Que je suis un mec pathétique et que je ne supporte pas qu'une fille soit meilleure que moi. Efface mon numéro, oublie où je travaille et retourne à tes plans d'ado attardé. C'est de l'alcool, ce n'est pas du jus de pomme, ça se boit avec modération. Laisse-la donc, après tout. Sale connasse ! Sale connasse ! Tu crois que je suis ivre, c'est ça ? C'est faux. Je suis profondément touchée par quelque chose. Si je suis Dieu, on est tous dans la merde. Pourquoi on peut pas être sur la plage à se bourrer la gueule ? Mais pourquoi j'ai bu hier ? Il aime bien porter des robes. Si elle a pas de fesses, c'est pas une gonzesse. Et il déteste les filles qui pètent. Je suis le bon juin de service qui va même emballer ta mère. À mon avis, il a besoin d'un psychiatre. Mais il en a un ? Non, c'est un psychologue. Ceux-là, ils écoutent. Alors que les autres prescrivent un traitement. Et c'est ce dont j'ai... Ce dont Marc a besoin. Il dit qu'il n'est pas fou, mais qu'il va le devenir si on le laisse à l'asile. Enfin. Le tabac tue un fumeur sur deux. Donc, si j'ai bien compris, j'arrête la clope. Vivre a l'air d'être si important pour vous. À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites ? Il y a chaque jour maintes raisons de perdre complètement la boue. Je suis un mec à fesses parce qu'il n'y a rien de tel qu'un bon cul. Ça va pas ? T'as envie de gerber ? Vomir. J'ai envie de vomir. Je croyais que vous aviez arrêté de boire. Ça n'aura duré que deux jours. Il reste là, traîné à saouler. C'est minable. Cet homme avait par le passé fait un séjour en hôpital psychiatrique. Si vous pouviez changer une chose chez vous, ce serait quoi ? Je dirais l'alcool. Les médicaments contre les troubles psychotiques ont des effets secondaires. C'est la raison pour laquelle les patients cessent de les prendre. J'ai décidé de m'occuper de moi un peu cette année. Je vais reprendre mes études. Ah bon ? Non, je déconne. La plus belle histoire d'amour au monde, c'est quand une meuf... Elle vous aime et quand elle est pleine de bonheur, les doigts de pied en éventail, les yeux dans les yeux, encore amoureux, tu vois. Elle clame. Comme ça, elle peut pas te larguer.
La fête, c'est fait pour vivre, c'est pas fait pour mourir. Et en attendant, moi, je deviens dingo. Il n'y a que des fous ici. Pas parce que c'est moi le fêlé, pourtant c'est pas moi qui me tiens au milieu de la pièce et qui parle à personne. Parce que c'est bien ce que je suis, non? Personne. Les vraies filles se maquillent pour aller au lycée. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es commercial? Non, je suis rien. C'est quoi le film? Vous avez de la bière? Oui. J'ai pas d'amis en réalité. C'est trois fois rien. Juste un peu d'antidépresseur, d'antipsychotique. Il y a certains petits effets secondaires, mais les rapports sexuels te manqueront pas, puisque t'en as jamais eu. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Je fais de l'art, les filles aiment ça. On peut jamais rien faire! Bah si t'es si déprimé que ça, pourquoi est-ce que tu te flingues pas? Désolé vieux, mais j'ai pas la réponse non plus. Je suis dingue. On a failli se faire arrêter l'autre jour. On avait apporté des flingues au lycée. Finalement... À la télé, c'est rien que des... Ta gueule. Tu connais quelqu'un qui prend de la drogue, toi? Tu sais très bien que j'ai pas d'amis. Mais deux choses d'une roue, il a le moral, il continue et il se dit que ça va démarrer un jour. Fais confiance dans le destin. N'importe quoi. Accroche-toi parce que je te vais en rôter. Et ta petite sœur, elle te chie dessus. Cécile est une citadine qui aime et respecte les animaux. Ce qu'elle déteste, c'est de les voir empaillés. Les filles, c'est comme les mouches. Dieu, pourquoi tu m'as donné des gros nichons? Quatrième journée européenne de la dépression, les 9 et 11 octobre 2007. Petit bâton! Petit tapette! Je sais que j'ai un problème, mais donnez-moi ma chance. Laissez-le se planter, s'il doit se planter. Plante ta paille dans le velouté. Avant, pendant et après plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques, il lui écrivait des lettres bizarres. Tu te souviens donc pas de ce que maman t'a dit au sujet des filles? Je dois te dire qu'avoir des copines, c'est mal. Un chien, c'est plus agréable qu'une femme. Ta gueule, je suis devant la caméra, je te dis. Oh, regardez, une chienne, t'es homo. Et je me sens différente maintenant. À Pâques, la tradition familiale, c'est de cacher des bières au lieu des œufs. Les chocolats, c'est pas mon truc. Cathy n'en revient pas. Esteban ne dort pas sans la télé allumée. Ça, c'est le genre de truc qui me pète les couilles. Tu n'es pas équipé pour les relations sociales. Les gens ne te comprennent pas. C'est pour ça que tu n'as aucun ami. J'ai comme l'impression que ce type est encore puceau. Quand je suis à la maison, que je regarde la télévision, ben je ne pense à rien du tout. Et quand on commence à se demander pourquoi, on devient fou. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. Je me suis inscrit aux Alcooliques Anonymes. Je continue à boire, mais sous un autre nom. Le petit-déj, ça se respecte. Je croyais vous fumiez quelque chose d'autre. On a arrêté ça il y a des années. Je veux quand même m'excuser. Oh, c'est pas la peine, plein de gens croient qu'on prend de la drogue. Mais la seule chose qui nous fasse planer, c'est jouer de la musique. Ouais. Serez-vous riche un jour? Envoyez riche au 8-12-12. Je suis une vraie fille, j'adore faire du shopping et m'amuser. Écoute maman, si tu crois tout ce qu'on te dit à la télé, t'as pas fini de t'angoisser, hein? Il y a de quoi devenir fou. Je suis une star et j'adore ça! Je pensais que mon nom allait faire du bruit dans le monde, que par ma mort je me couvrirais de gloire, que mes idées seraient adoptées dans les temps à venir et qu'on ferait l'apologie de moi. Le racisme n'inclut pas de notion de haine. Ta gueule! Ta gueule! Va te faire foutre. Oh, si je veux pas te voir, je veux pas te voir, c'est tout! Ta gueule! C'est chaud! Je comprends plus rien. Quand je te dis de me laisser tranquille, fous-moi la paix. Tu comprends pas? Je sais combien on s'est aimé dans ces goodbye. Est-ce que votre ex a encore des sentiments pour vous? Envoyez encore au 8-12-12. Give me a reason to love you. Je prendrais bien un verre. Pas toi? Un verre? Non, je ne bois pas. Eh bien, tu vas boire parce que je peux pas prendre un verre si tu n'en prends pas un. It's
Ça fait un peu bizarre de pas boire d'alcool avec tout le monde. Mais je sais que si je commence, je m'arrêterai plus. Vous êtes les gens les plus barges que j'ai jamais rencontrés. J'en connais un qui est bourré. J'avais dit que je boirais plus d'alcool fort après la tombée de la nuit, mais bon. Et me voilà dans un camping pour caravane à Amario à boire du gros rouge qui tâche avec un pecno qui s'appelait Rufus. C'est si facile de boire, c'est bon. Il y a une chose à laquelle je crois très fort, c'est que la puissance de l'amour peut changer une personne. Pourquoi tu n'ouvres pas ton gentil petit cœur pour me dire enfin ce que tu ressens ? Tu pues du cul. Tu pues du cul. En vérité, tu ne devrais pas avoir du tout de rapport sexuel. Est-ce que cela vous choque ? C'était la question du jour sur lci.fr. Tu dois rentrer dans la norme. Be a normal person. Vos enfants s'imaginent qu'ils vivent de grandes aventures. J'ai pas envie de grandir, mais je crois que j'ai pas le choix. Je laisse tomber l'école. Moi aussi. Je vais chercher un boulot. Lily, Laure et Thomas ont choisi de suivre une formation de l'école française de comptabilité. Tous les grands artistes ont des coups durs, on les apprécie seulement une fois qu'ils sont morts. J'ai pas eu besoin de sortir de chez moi, c'est ce que j'aime, j'ai adoré. Je ne sais plus où est ma place dans ma vie, j'ai perdu la boussole. Je crois que j'ai peur. Are you drunk again? T'as encore bu? Mon père est alcoolique et homosexuel. Mais ça vient que j'ai des putains de pulsions créatrices, voilà d'où ça vient. Je pose ma pierre là, je m'exprime, je me dévoile, je dis enfin je. Je suis un peu déprimé en ce moment, je me sens très seul. Dès que je me réveille, j'ai envie de chialer comme un gosse. Oh, moi je me rendais pas compte que ta vie était si misérable. Ma vie est loin d'être misérable, ma vie est géniale. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de l'alcool, hein? Ça va être pire avant que ça s'améliore. Et quand on est enfant, on est fasciné par tout ce qui est autour de nous. On veut tout connaître. Il faut conserver ça. On apprend beaucoup plus d'une personne en couchant avec qu'en dînant avec. Ah, ils disent vraiment n'importe quoi, les télés. Qu'est-ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'avez vu? Sincèrement, rien. Je ne vous vexe pas, j'espère. Non, ça me coupe une jambe, mais j'ai l'habitude. Quand j'enfonce ma langue dans sa bouche, elle ne se plaint pas, elle aime ça. Les gars qui font une fête, ils ont toujours de l'alcool. Mais juste après, une étude a dit que l'alcool donnait le cancer du sein. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous ? La ferme ! Ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Excusez-moi. T'as vu ma photo de passeport ? Tout le monde me dit que je ressemble à Brad Pitt. Tu vas me foutre la paix avec ta tête de cul ? Tu vois pas que j'ai assez de mal avec moi-même en ce moment ? Faut pas tomber amoureux. Vous savez bien que je ne suis pas gay, c'est pas une invite à sortir avec moi, je ne suis pas gay. Hein? Je n'ai jamais cru que vous l'étiez. Je le sais maintenant. Et on se prend la main. Je sais exactement ce qui va se passer. Tu le sens pas, c'est dans l'air. Mais ta gueule ! On rit plus ensemble. Tu sais pourquoi on rit plus ? Parce qu'il n'y a pas de quoi rire. Hein? Regarde, nous, on est tous plus ou moins dans la merde à part toi. La télé, c'est comme la radio, mais avec des images dedans. C'est vraiment un plaisir de pouvoir enfin vous admirer. Oui, ça c'est sûr, mais qui c'est ce fou ? Elle a un beau cul. Ah, je craque. C'est bon, je vais pas me suicider. Je veux juste prendre la main tranquille, c'est possible ? Ouais, c'est possible. T'es vraiment con ! Vous êtes cinglé. Britney Spears est-elle vraiment sortie d'affaire ? Les mugissements de son aspirateur ont dû le rendre fou. J'espère qu'il ne va pas se ramasser sous mes yeux. Maintenant, tu es un adulte et tu dois arrêter de te conduire en gamin. On fait tout ce qu'on peut pour ne laisser personne indifférent. Et davantage encore quand on est un artiste. Mais vous avez bu aussi, docteur, et si vous continuez, vous allez avoir des comptes à rendre à la justice. Merde à la fin ! Les filles ne savent rien faire aussi bien que les garçons, c'est bien connu. Quelle grosse conne ! T'as pas intérêt à ce que ça se reproduise. Sinon je t'étrangle avec une barre de fer. Ah, ça va, c'est cool, bois un coup quoi. Dis-moi, ça te dirait d'aller voir un film ce week-end ? Ou de manger ensemble ? Je préférerais qu'on reste amis, tu comprends ? Cette sale pute va payer. T'es carrément pas attirant physiquement. Moi je te le dis cash parce qu'on est des potes. Je croyais que j'étais adulte mais... Je ne suis pas prêt de l'être. Mais je ne sais pas si tu ne vas pas craquer si on te propose de boire. Je vais péter les plombs. Vas-y, essaye. T'es une malade. T'es une malade dangereuse. Putain. Now you do what they told you.
Les nouveaux écrans haute définition de Panasonic, c'est plus de couleurs, plus de fluidité pour plus d'émotions. Je voulais juste montrer aux gens que la technologie peut résoudre tous les problèmes. Bienvenue à l'asile, je suis ravie d'être ici. Son rêve, c'est de faire de la télé. Et il a raison, tout le monde peut y arriver. Quand il commence à boire, il devient quelqu'un d'autre. Qui veut une bière ? Vous risqueriez de le regretter. Tu le crois alcoolique sous prétexte qu'il a bu une bière, mais on est en plein délire. Pourquoi est-ce que tu l'encourages dans sa folie ? Mais je ne fais que l'écouter. Mais tu vas pas rester assis sur le canapé toute la nuit à boire tout seul. Pourquoi, t'as déjà essayé ? Non. Alors n'en dégoûte pas les autres. On ne respecte donc rien à votre âge. L'alcool est bien une drogue. Vous voulez vous en sortir, oui ou non? Mais pensez-vous, mais tout le monde s'en fout, monsieur. Le monde fout le camp. Allez, on mange. D'abord, on boit. Du coup, c'est la consommation d'alcool. C'est immonde ce que tu fais. Tu sais pas que ça crée des dépendances, ça? Nous allons tous mourir! On n'a pas peur d'aller en enfer. Mais t'es devenu complètement taré? Il détestait la race humaine. Priez pour le pire. Priez pour le pire. Doa Fortuna! Barbie fête aujourd'hui son anniversaire. Je trouve que dans un sens, elle m'a trahi. Calipage, tout pour être heureux. À ma place, tu ferais quoi, toi, si toute ta vie était pourrie au point que tu sais plus quoi faire pour t'en sortir? Quand on boit, on est beaucoup moins timide, on parle à beaucoup plus de personnes. Chaque jour est une nouvelle chance de montrer au monde le phénomène que vous pouvez être. Elles vont boire 4 bouteilles de blanc, vive l'argent de poche et bonjour l'ivresse. Merde, merde. Il me raconte au goûter, ça croustille. Biscuit sablé au délicieux chocolat fondu. Crac pour le chocolat. On fond pour la crème. Du plus goût. Pour bien grandir. Ne mange pas trop gras. Trop sucré. Trop salé. Être délicieusement sablé. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Non, rien n'a changé. Tout a continué. Reste à la maison à te saouler. Ça évite aux enfants le coup de barre de 11h. Ça ne suffit pas. Je commençais à croire que le grand chef Bison Noir avait raison. J'étais peut-être folle. Mais celui qui m'amène à penser que je suis folle est mal placé pour me dire que je ne le suis pas. Est-ce que tu sais au moins ce qu'est un schizophrène paranoïaque? Bah oui, évidemment. Tu bois maintenant? Non, c'est juste une bière. Ça va, c'est pas un drame. Si, c'en est un. Il semble qu'il soit malade et qu'il ait besoin d'être soigné. Ma famille croit que je suis cinglée. Non, Johan, c'est faux. Personne n'est cinglé. Quand je vois comment ça se passe autour de moi... Tous les couples qui sont autour de moi, ça me donne pas envie d'être en couple. Et elle tient bien l'alcool. Une personne géniale. Jim ? J'espère qu'on a du vin. Je vais me bourrer la gueule. Bah, tu payes une nouvelle bouteille et après je suis d'accord pour te faire l'amour. Où trouver de l'alcool ? Qui va l'acheter ? Quand est-ce qu'on commence à boire ? Les gestes de chacun font la santé de tous. Si tu m'aimes bien maintenant, tu vas m'adorer quand je serai saoule. J'ai dégueulé et j'en redemande. Qui a bu ? Vomit toute la nuit. Essayez de comprendre qui je suis pendant que je vous suce. Mais il faut pas que ça t'embête. Non, pas du tout, ça me fait plaisir. Bah qu'est-ce qui se passe ? Rien, je suis nul. En fait, je suis contente de grandir. Travailler et apprendre des choses. Par exemple... Être responsable, c'est penser à demain. Je suis amoureuse, c'est un fait. Mais je suis pas folle. Ils n'auront qu'un seul objectif, rouler un maximum de pelles, un maximum de filles. Ne vous détournez pas de moi! Il n'y a qu'une chose que j'ai jamais su faire mieux que toi. Perdre les pédales. Écoutez, ce type est fou, il est complètement barjo. Ça me fatigue, ces histoires de race, d'accord? Pourquoi cette fatigue? Parce que ce n'est pas la race qui compte. On est tous égaux à mes yeux. D'ailleurs, les Noirs s'habillent comme tout le monde maintenant. Hein. Excusez-moi d'avoir été aussi directe, mais c'est pour le bien de votre fille.
Ouvre un Coca-Cola. Ouvre du bonheur. Tu ne souris plus, tu ne quittes plus ton appartement, tu... Et je l'aime mon appartement, personne ne m'embête si je ne souris pas là-bas. J'adore ce mec! Alors si t'essaies de prendre sa glisse, ça marchera pas! Il n'y a pas de mal à admettre qu'on a un problème mental. Ce soir, elle va pouvoir faire la fête avec l'argent de ses parents. Parce que si vous prenez le sida et tout ce qui s'en suit à l'heure actuelle, les drogués, pédales et sociétés, ça vient tout de là. Que vous en pensez, vous, qui côtoyez le monde de l'art? L'art, c'est la vie. Hein, le mouvement, c'est la vie. Comment faites-vous pour ne pas être fou? Oh, moi, d'abord, je fais de la télévision, ça m'aide, contrairement à l'idée reçue. Il paraît que ça rend fou. Non, ça rend fou ceux qui la regardent, je pense. On est fou, non? Manifestez-le! On est fou! 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 Ils sont fous! Le monde entier devrait avoir des bijoux, c'est vrai. Carglass réparite, Carglass tranche-danse. Ma yaourtière, c'est ma meilleure amie. Au fait, dis-moi, tu n'aurais pas... Nicolet, mais pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question? Aujourd'hui, j'ai le droit d'être heureux. Je venais m'assurer que vous n'étiez pas, enfin, vous voyez, un petit peu détraqué. Une femme, il faut pas qu'elle vieillit, parce que ce qui vieillit bien, c'est le bon vin. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Alléluia. 389€ par mois sans apport. Assurance perte d'emploi incluse. Tout ça et des petites côtes de porc. Merci. Mais vous êtes complètement malade. Oh, comme ça. Allez, repeste votre haleine de poivron. Ben ouais, j'ai picolé, pétasse. C'est qu'un sale con d'ivrogne. C'est qu'un sale con d'ivrogne. Alors? Bah, la pauvre, elle accouche dans 2 mois. Vous pouvez pas nous arriver pire. Si vous saviez la joie que c'est quand ma petite fille m'appelle mamie. Ta gueule! Ta gueule! Je préfère encore mourir. On est rassurés, les malades mentaux de la Marne sont sauvés. Super! Ça m'intéresse pas de survivre! Je veux vivre! Ma télé, c'est les parents qui gèrent. Les Français passent entre 5 heures à peu près, un peu plus de 5 heures devant une télévision. J'ai envie de dire, il reste plus beaucoup de temps pour faire l'amour. Voilà notre piscine. C'est parfait pour quand il fait chaud. À quel âge vous avez le plus de chances de vous marier? T'es folle? T'es cinglée, c'est toi qui es folle. Une rencontre arrive, toujours par hasard, et pas rien maîtriser. Tom Davis Jr. est arrêté et accusé d'agression sexuelle aggravée. Il l'a trouvé pour le moins étrange. Hagard, les yeux exorbités, son haleine empestait l'alcool. Nicolas Sarkozy était l'un de ses meilleurs amis. Le petit Nicolas en DVD. C'est plus la télé qui commence. Avec Cécile, tout allait bien. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes d'érection. La pub télé, c'est pour ça qu'on l'aime. 90% des Français consommeront de l'alcool demain soir. Prends ta voiture et va faire le plein de whisky. J'ai une idée. On va en psychiatrie semer la panique parmi les maniaco-dépressifs. Coucou, c'est Evelyne Leclerc. Vous en avez assez, hein, de votre solitude. Alors venez vite vous inscrire sur ma messagerie. J'adore la télé. Oui. Je m'endors très souvent devant la télé. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est un peu dérangée ou quoi? Faisons pour toi un bisou de surcroît, un magnifique Noël. Bonne fête de Noël, madame. Les établissements parfumettes vous... Tu sais très bien que tu me plais. Enfin, t'es, je peux pas dire la chose pareille. Je croyais que t'avais dit que c'était facile et qu'il fallait écouter son cœur. Prenez la vie côté biscotte. Plus d'équilibre. Plus de régulation, davantage de justice et de paix. T'as pas l'air de le penser, Lapinou chéri. Le peuple est de plus en plus inquiet. On ne peut pas faire revenir les photos et les morts. Et surtout, arrête de te plaindre, parce que lui, c'est la vie qu'il vient de perdre. Ah, il y a des moments où c'est dégoûtant, la vie. Je t'en prends l'air. J'ai 17 ans, je peux pas. On est des ouf, hein. On tombe pas dans l'alcoolisme sans avoir un problème personnel, si? Non. Aucune de ses amies ne s'imagine dans cette situation. Je ne juge pas ce que les autres personnes font. Vous saurez allumer la télévision. À mon âge, la télé, ça fait partie de ma vie. La télé est devenue depuis longtemps le premier loisir des Français. Même en vacances. Ça se passe de commentaires. T'as jamais travaillé de ta vie. Je pense que ce qu'il faudrait, c'était l'envoyer chez un bon psy. J'ai fait mon choix et je t'emmerde. Tu veux que je te dise ce que je pense? Non. C'est drôle. Oh, ouais, c'est drôle.
J'adore le sexe. Et vous? Non! Dites-moi que je rêve! You ain't done enough for me. You ain't done enough for me. J'ai plus rien que... Tu vas sur Mythique. Quand on est parent, problème. Protection. On rigole. Oui. Salut, c'est David Guetta. Y a-t-il des choses à ne pas faire? Non, t'as raison, arrête de boire. Et 2009 qui s'achève, c'est l'heure également du... We're all stars now in the dope show. On refuse toute obligation, on baisse les bras, on vit dans le présent. Et comme le futur, c'est la dèche et le chômage, on fera des petits boulots, alors ça sert à rien de travailler. J'ai pas envie de travailler ce matin. Si t'as pas envie, te force pas. L'avenir est à nous. Je ne m'aime pas vraiment, que ce soit physiquement ou mentalement. Il vous interdit l'accès au paradis, mais vous fait quitter l'enfer. En 7 lettres, suicide. On se voit plus tard. Quelqu'un veut un verre ? On entend par dépendance l'envie irrépressible de consommer une substance donnée ou d'exercer de façon répétée une activité en particulier, bien que cela ait des conséquences nocives pour soi-même ou pour les autres. Qui a le droit ? Oui, qu'est-ce que vous voulez? De l'amour? Il faut jamais tomber amoureux. Quand je suis avec toi, je me sens triste et heureux. Est-ce que t'étais en train de m'imaginer nu? Pourquoi tu te branles pas? T'as qu'à te branler? Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément, mais à la suite... De l'argent, du pouvoir. Combien de fois avez-vous dit oui? Tous ensemble, je dis oui à tout! 8. Gérard. 9. Oui, avec friteuse. Bah oui, indispensable dans les maisons. C'est terminé. Terminé. Et quand je dis que c'est fini, je ne plaisante pas. Vous voulez être normal, mais ceux qui vous entourent vous en empêchent. J'entends des choses, des voix. Parfois, elles me disent des choses sympas, mais d'autres fois, elles me disent de me tuer. J'ai effectivement un léger problème, mais je suis sous traitement. Bonjour. Je suis peut-être pas complètement guéri, mais je suis vivant. Tu t'appelles comment ? 76. Que se passe-t-il quand son orientation sexuelle n'est pas considérée comme traditionnelle ? Quand vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui, vous voyez quoi? Sans sujet qui fâche. Quand on est avec quelqu'un pendant longtemps, comme Britney avec Justin, et que ça se termine, ça fait mal. Je sais pas comment lancer une conversation, ni comment me faire des amis. Parce qu'ils ne croient pas forcément aux études, ils ne croient plus forcément à l'amour, ils ne croient plus aux idéologies. En seulement 4 ans, le nombre d'hospitalisations pour coma éthylique a augmenté de 50%. Ça ne s'arrange pas. Qui va payer la casse? On est dans la merde. J'ai mis le temps, mais j'ai fini par comprendre. Comprendre? Mais comprendre quoi? Le mal que tu m'as fait. T'as tout gâché, toute ma vie, tout. Je suis passée par une phase où je détestais tout le monde. Je détestais la vie. Et la consommation d'alcool est souvent déraisonnable. C'est l'époque, l'époque qui nous a. C'est l'époque. On dirait que rien n'est réel. T'aurais besoin d'un peu plus de sommeil. Je veux pas de gens moches et chiants à ma soirée. J'ai l'impression que le monde m'observe en train d'échouer, ne veut pas me voir réussir. Allez, ça va aller, mon pote. On va aller te chercher des frites. Voilà, bah c'est des substances qui sont sympas, qui permettent de supporter la réalité quand on pense que la réalité est difficile à supporter. Tu veux une bière ? Je connais pi jusqu'à 50 décimales. C'est parti. 3,14159265379732386246236432832739502884197169399371 0. Andrew, t'as dépassé les bornes en te saoulant hier soir. Je m'en fous. T'es devenu fou. Boire, s'amuser, sortir le week-end, tout le monde connaît. Sauf que les adolescents aujourd'hui vont beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? J'aimerais sortir, mais ils sont pas d'accord. Ah, il est sympa. Un genre d'intello au chômage, scotché dans la télé du matin au soir. Il y a la recherche d'une identité qui passe aujourd'hui par une visibilité. Vous existez si vous êtes vu. Et vous êtes reconnu si vous êtes vu.
Est-ce que toi, tu m'aimes? Tu m'aimes? Pose ta bouteille. Arrête. Non, j'en ai rien à foutre. Pose ta bouteille. Non, je veux pas ma bouteille. Bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Baby, I'm grieving. SAT, c'est S pour sexe, A pour alcool et D pour drogue. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Que reste-t-il lorsqu'il ne reste plus rien? Dans SAD, sexualité, alcool, drogue, il y a le mot anglais triste. Rose, tu sais, quand tu as souvent eu des chagrins d'amour et quand même l'idée d'avoir une relation sérieuse avec une femme devient insupportable, alors que faire d'autre? Eh bien, te branler, te masturber. Et si votre vie devenait infiniment plus riche? Et j'ai un peu l'impression qu'elle se fout de ma gueule. Se demander si tu vas te faire violer, ça n'a rien à voir avec se demander si tu vas réussir à entrer à l'université. Oui, je sais, c'est pas drôle. Elle est tarée. Prends soin de toi. Tu ne sais pas ce que je ressens. 1, 2, 3, 4. Si on pense à Michael Jackson, par exemple, on voit bien comment ces chirurgies qui se faisaient en permanence recouvraient vraisemblablement un malaise profond, existentiel, beaucoup plus important. L'argent fait le bonheur. L'Amérique est un grand pays. Vous vous foutez de ma gueule? Tu te crois mieux qu'eux? J'appelle Victoire, ça fait 3 mois que j'ai pas bu. Babou, babou. Je suis sûr qu'on n'a pas fini de se tordre de rire devant notre télé. En 5 ans, le nombre d'urgences pour coma éthylique chez les mineurs a augmenté de 50%. Vas-y, impressionne tous tes potes. Exclusion, humiliation, drogue, peine de cœur. Tu vas pas te suicider maintenant? Je m'appelle pas Kurt Cobain. C'est parti. En plus, c'est chiant, les soirées, on boit pas, non? Aurait-elle un problème d'alcool? Elles vont boire 4 bouteilles de blanc, vive l'argent de poche et bonjour l'ivresse. À quoi ça sert d'être jeune si on peut pas en profiter? Être de bonne humeur, aimer la vie, c'est en moi. Ne pas me prendre la tête, oublier le temps, c'est en moi. Elle, c'est sa mère. C'était sûrement la plus bourrée de nous tous. Mais je garde beaucoup de choses pour moi. Ce que je ressens au fond de moi. J'ai pas l'impression de me casser les couilles, là. Toi, t'as pas l'impression que j'ai envie de t'aider? Il semble effectivement plus difficile de décrocher de l'alcool que de l'héroïne. C'est un truc de dingue! C'est surtout un bon moyen d'oublier leur entrée dans l'âge adulte. Dorian! Ne touche pas! Vous ne savez pas où partir cet été? Faites-vous kidnapper. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Rien. Écoute, je t'assure que j'ai rien. Je te l'ai déjà dit, ta génération craint. Donc ferme-la. Tu ferais goûter à mes délices. Ta chanson est finie? C'est sûrement la plus pourrie que j'ai jamais entendue. Dans les moments de crise intense, je vous recommande de manger quelque chose modérément pour calmer votre angoisse. On mange quand on a faim et pour se remplir le ventre, un point, c'est tout! Ça va être ça, ma vie avec toi? Oui, je crois que il faut d'abord éviter de dramatiser. Alors c'est que vous n'avez rien compris à qu'est-ce qui se passe. J'aimerais que les gens me regardent et me disent qu'ils m'aiment bien. Même quand je porte pas de maquillage. Va te faire foutre! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Ce garçon est complètement dérangé. Je suis parfaitement normale, je suis pas folle. Je ne pense pas que tu sois folle, mais tu n'es pas dans la réalité. Aidez-moi, je ne dois pas faire un seul faux pas. Tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie a lamentablement, misérablement échoué. Je ne suis pas quelqu'un de mystérieux, je suis un mec simple qui aime le pain et le fromage. Cette semaine, sur les... Est-ce que je peux t'embrasser? J'embrasse pas, je me réserve pour mon futur mari. Mais tu te fous de ma gueule? Tout le monde me déteste. La vie, c'est difficile en général, non? Bonjour, c'est toi qui le dis? L'occasion qu'on se parle vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Que tu m'emmerdes. On a l'impression d'être fou, quoi, parce que... Comme de taré. Moins on en fait, mieux c'est. Vous l'avez très bien compris. Tu me plais, toi? Elle est un peu barge. L'argent, c'est important. Ah, je crois qu'on est fou. Beaucoup de gens vont le penser. Et je vais me déchirer au chocolat. Hier, j'ai fait un point sur ma vie et je l'ai trouvé pourri. Devant la stupeur de sa famille et l'émotion de son papa, Anne-Sophie finit par craquer.
C'est beau, une femme. C'est spécial, mais c'est beau. Franchement, il vaut mieux avoir la passion des belles filles que d'être gay. De toute évidence, c'est un type dangereux. Envie d'un bébé ? Nous pouvons tous arrêter ça. Alors faisons-le. Elle fume un énorme bang pour ses 18 ans. Je voudrais savoir ce qui se passe, monsieur Coyle. Les jeunes ont en moyenne leur premier rapport avec la drogue autour de 16 ans. Dans ma tête, je me disais, il faut que j'en finisse. Faut que j'en finisse. des Français seraient favorables au mariage gay d'après un sondage Ipsos. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a le droit d'aimer qui on veut. Et souvent, on choisit pas de qui on tombe amoureux. Pénible, c'est le roi des abrutis. Il passe son temps à picoler. En fait, quand on a un but, on s'expose à ne pas l'atteindre. Alors que quand on n'en a pas, au moins, il n'y a pas de déception. Ils se foutent de ma gueule parce que je m'habille pas comme eux, parce que j'écoute pas la même musique qu'eux, parce que je suis un mec extrême. Je voudrais savoir pourquoi je vis, tu comprends? Tu sais toi pourquoi tu vis? J'en ai rien à foutre! Culturellement, en France, la question de l'alcool est partout. La drogue n'est jamais une solution. Oui, vas-y, pourquoi je te parle? Vas-y, je te bloque. Dans la Bible, c'est écrit que l'homosexualité, c'est mal. Je ne sais pas si je crois en Dieu. Pourquoi je dois croire en autre chose qu'en moi? Globalement, le monde est sinistre. Est-ce que je pourrais offrir à un enfant un monde comme celui-là? Comment il pourra grandir dans un enfer pareil? Dieu, si vous êtes là, aidez-moi! Sans parler de picoler avec Henriette, c'est n'importe quoi. Tous les soirs, c'est pareil, ça changera jamais. Bon, ça va, on se calme, hein. Ta gueule ! Elle se drogue pas mal. Eh bien, on dirait qu'il s'est enfin trouvé une copine. Il est bien au-dessus de ce genre de comportement, tout le monde le sait bien. Je veux pas ressembler à une fille des années 80 qui va à l'église. Tu la fermes, grosse vache de merde ! Ça fait mal ? Oui, c'est normal. Je me suis senti terriblement mal pendant 2 mois. Et moi, je me sens mal dans ma peau depuis ma naissance, alors ne compte pas sur moi pour te plaindre. Je sais qu'il a besoin de moi. Vous êtes qui ? Oh, je suis personne. C'est chouette, t'as l'air heureuse. Je me branle et j'aime ça. Plus on est de fous, plus on rit. Va te faire. Kaira, tu me parles pas comme ça, putain ! Je n'ai pas le câble. Elle a pas le câble. T'es débile ou quoi ? Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Mais pourquoi il aurait dit ça ? Parce qu'il est incohérent. Je suis sincère, 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 je suis sincère. Vous avez bu combien de verres aujourd'hui ? Et alors, ça change quoi au problème ? C'est un peu ma religion. Arrêtons les faux semblants, voulez-vous ? Vous êtes alcoolique. Écoutez, il a eu une semaine épouvantable. Oui. Et à un moment donné, voilà, entre l'homme et la femme, il y a quand même une différence. Le rose a toujours été ma couleur préférée. C'est super féminin, comme les princesses. Je sais que je devrais être heureuse, mais ce n'est pas le cas. Dans Phoebe, on écoute ses problèmes, mais les miens, tout le monde s'en fiche. À tout problème, il y a une solution. Je sais pas si tu sais ce que c'est que le mauvais œil. J'adore ça. Tu as des ennuis ? Non, pourquoi j'en aurais ? Que mangez-vous d'habitude ? Du McDo, du Burger King, des fast-food. Tais-toi, Tiffany, tais-toi ! C'est ça ton problème ! Arrête ! Je vais essayer d'arrêter de boire. Oh ? Pourquoi ? Il nous faut de l'alcool dans la vie. Qu'est-ce que c'est que cette tête ? La preuve que j'ai un putain de mal de tronche, c'est tout. Êtes-vous en relation avec vos parents ? Ils ont honte de ce que je fais. Ils ne veulent pas être mêlés à ça. Pour tenter de gagner les 15 000 euros mis en jeu ou l'un des 12 GPS Garmin, répondez à la question suivante. Pourquoi c'est si dur de se faire des amis ? Nous, on vous parle, nous, on vous écoute, sans vous couper. Je parle que de femmes, donc de bitch. Je parle de voiture, car, et je parle surtout de money. D'argent. Maintenant, je surveille mon alimentation.
Je prends Danacol chaque jour. Les gens ne savent pas ce qui est bon. Les gens ont un trou dans le ventre et ils remplissent ce trou de merde. Si j'ai... Oh, c'est ça, oui. Fais des enfants, on en reparlera. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle... Je comprends votre sentiment. Ça change quoi que vous compreniez ? Rien. Faut qu'on me maquille. Je ne peux pas y aller sans maquillage. Oh, mais complètement folle, celle-là ! Benet ! Tu sais, quand on se fiche pas mal de ce que les autres peuvent ressentir, faut peut-être pas s'étonner des conséquences. Oui. Crève, ordure ! Je veux savoir ce qui se passe absolument, et je veux le savoir tout de suite ! On s'asseyerait pas d'abord, boire un verre ? C'était non-stop. Et pourtant j'ai arrêté. Du jour au lendemain. C'est juste une question de volonté. Et depuis combien de temps allez-vous aux Alcooliques Anonymes ? Ça ne concerne que moi. J'en ai marre de t'entendre toujours dire ça. Je fais ce que je veux. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Je n'avais rien à vous donner et pourtant vous m'avez tout pris. Vous réalisez ce que je suis en train de vivre. Je n'étais pas à la hauteur de ces jeunes femmes. Elles étaient trop bien pour moi. Je me sentais rejeté. Elles représentaient tout ce que je voulais détruire. Pourquoi ? Parce que je le veux ! Elle est devenue complètement folle. Elle lui a fait une crise devant tout le monde. T'es qu'une connasse. Il faut que ça fasse la une des journaux. À chaque fois que je te vois, tu fais un truc pas bien. Écoute, j'ai pété les plombs, d'accord, je m'en excuse. Il éclate la télé contre le mur, c'est un super moyen de dire « faites de la place pour quelque chose de nouveau », mais on ne s'y attend pas. Voilà, pour la petite histoire. La télé tue. Y'a de quoi se foutre en l'air, elle me dit... Mais nous n'avons pas la télévision. Elles vont penser qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Prends soin. Regarde ton cou avec tous ces suçons, petite merdeuse. Mais c'était plus fort que moi, j'étais obligée de le faire, j'étais poussée à le faire. C'est ma vie. Embrasse-moi à Paris. Avec un peu de chance, il va se passer des choses ce soir. J'espère que ce ne sera pas trop effrayant. J'ai pas la gueule de bois. T'as quoi alors ? Je suis fatiguée, j'ai mal à la tête et j'ai envie de gerber. Vous imaginez, vous perdez du poids en regardant la télé. Alors ? Ça n'a pas marché. C'est LM, le crédit responsable. Oh, t'es si gentil d'avoir pensé à cacher de l'alcool. Le vin me donne envie de rigoler et de flirter. Tu n'es qu'une petite garce, profiteuse, égoïste. C'est plus facile de rester sous ma couette à regarder la télé que de me lever pour faire quelque chose qui me motive pas. Tu veux que je te dise ? Revois tes projets à la baisse et tu t'en sortiras. J'irai pas à la télé. Ah bah non, ça c'est clair. À moins que tu décides de mettre la télévision en face de ton lit. C'est ce que tu préfères ? On est vraiment sans elle. Je peux regarder la télé ? Non. De mon Seigneur, j'aurai la force. Oh my God! L'élégance est un droit. Welcome to Saint-Tropez. C'était pas la peine de coucher avec moi si c'était pour me larguer comme une vieille merde le lendemain. Tu n'as aucune raison d'être aussi brutale avec ta mère. Je reviens pas que l'été soit fini. J'ai un peu les boules là, je suis un peu triste. Qu'y a-t-il de plus fort qu'un lion ? L'amour. Non, tu n'y connais rien, tu dis n'importe quoi. C'est pas le moment d'être parent. Ça va, je suis au courant. Traitez-moi de folle, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Vous buvez quand vous êtes seule, Christine Boutin ? Pas seulement quand je suis seule. Donc là, en ce moment, l'avenir, tu le vois comment ? En ce moment, l'avenir, je le vois au chômage, quoi, c'est à peu près ça. De ces nuits, pourquoi, pour qui ? Et ce matin, qui revient pour rien ? Maudit soit le jour où je suis né. C'est drôle, ça fait longtemps que je t'ai pas vu avec une fille. Je comprends pas ce qui se passe. Pas de panique. Ça me rend complètement dingue. Freddy est donc bien décidé à trouver l'amour. Et pour lui, tous les moyens sont bons. Heureusement que j'ai mis une culotte. Tu m'étonnes. C'est une histoire atroce. C'est aussi bien que tu te l'imaginais avant de le faire. C'était pas comme je m'imaginais, comme dans Titanic. Alors, t'es fière de toi ? En général, oui. Moi, je te dis que ce type est cinglé, tu peux me croire. Mais je suis gentil, je suis gentil. Je suis gentil. Bah, pas trop. Si. Est-ce que t'as des rêves aujourd'hui ? Non.
crois qu'il est mort. Décédé. Un DVD. Ah non, décédé. Décédé. Tu le penses? Tu veux mourir avec moi? Et au moment où j'allais presser la détente, Abe a prononcé ses derniers mots. À quoi les chiens peuvent-ils bien rêver? T'essaies de me faire peur, là? Pas du tout. Comme votre ami, il buvait pour se stimuler, pour se détendre. Jusqu'à la nausée. Vous rigolez, j'espère? Ça représente quoi, faire le hippie? Du vent liberté. Monter sa société, prendre son argent, à rien attendre de personne. J'avais qu'une seule idée en tête, me faire de l'argent, peu importe comment. Parce que le monde bouge. Boire un verre, il n'y a rien de tel pour se détendre. J'avais tellement envie de devenir le plus grand. C'est d'un triste. T'es un nul. Et t'iras jamais nulle part. La vie quotidienne peut vous sembler un peu compliquée. Oui, mais parfois, l'ennemi n'est pas celui que l'on croit. L'homophobie, des choses comme ça, mais c'est des conneries qui sont pardonnables. Cette chanson, c'est pour toi, putain de connard d'enfoiré! Vous vous demandez comment je suis arrivé là? Vous le saurez dès que j'aurai décidé que vous devez le savoir. Quand je portais des pantalons de taille basse et que je m'asseyais, mes bourrelets ressortaient. T'es belle, même quand t'es triste. Hey, vous m'avez vu les mecs, je sors avec une fille et j'adore passer ma vie chez elle à écouter sa musique de merde. J'ai des problèmes plus importants pour le moment que prendre le temps de contempler la tristesse lamentable de ma vie quotidienne. La vie change avec Orange. Tu as eu des rapports, et maintenant, quoi que tu fasses, ta vie sera complètement transformée. Oh, c'est... Bref, c'est Sofinco. Site conçu pour les investisseurs actifs. J'épargne à la banque postale. Avec 7990. La vie est une machine à fric. Je suis à côté de la plaque, j'ai l'impression de devenir complètement folle. C'est normal. T'es complètement folle. Tout le monde connaît des moments d'angoisse à un moment donné, mais... Je déteste les manipulateurs. Changer d'avis. On n'est pas si laid finalement, même si on n'est pas une star. Tu parles, t'as de la merde dans les yeux. Tu crois que je suis parano? Non. Être parano, c'est sain, crois-moi. Mais Charles boit, ce qui pose problème. Alors, ça va aller? J'aimerais que tu répondes à cette question. Ah, j'ai l'impression d'avoir bu un verre de vin, ou plutôt une bonne quinzaine. T'as l'air complètement débile. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Saviez-vous que Denis avait traité Julie de belle garce? Il avait bu trop de bière. Il y avait de la bière à cette fête. Je me suis beaucoup interrogée ces derniers temps sur le pourquoi et le comment de certaines choses et... C'est pas si simple que ça. Ça vaut mieux que de sortir un revolver, mais bon. Je le pensais sincèrement. Aujourd'hui, la société dans laquelle on vit favorise le développement des complexes individuels. Je veux pas rater ma vie. Après tout, je n'ai rien à perdre. D'un côté, je n'y croyais pas. Et de l'autre, je trouvais ça fantastique. Je te déteste! Excusez-moi de me mêler de ça, mais vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement? Eh bien, mon père et mon frère disent que je suis folle dingue. Je suis pas cinglée. Seulement idiote. Mais c'est pas ça qui définira ce que je suis. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue. Attends, je suis complètement largué là. Il va falloir m'en dire un peu plus pour que je puisse servir à quelque chose. Je te le dis, mon gars, la vie est bien plus belle quand on pense moins et qu'on argumente pas. Tu devrais essayer. L'industrie, les industriels sont un peu les coupables. On va s'en sortir. On s'en est toujours sorti. On va s'en sortir. Tu crois que je suis dingue? Bah ouais. Si c'est l'idée que tu te fais de moi, c'est... C'est que... Je dois être comme ça. Il est trop stupide, il sait pas ce qu'il fait. Et toi, tu ne sais pas la moitié de ce que tu crois savoir. Pff, connard. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Tu fais toujours la gueule, toi? Ouais, j'ai pas le droit. Ça sent rudement bon. C'est pas... C'est pas Chamour pour homme. Ce qui est bien la meilleure odeur au monde. À part une chatte, peut-être. Ah, fuck!
et nos enfants, ils vont nous, bien sûr, ils vont nous juger. Bien sûr que nos enfants, nos petits-enfants vont se demander, mais cette génération-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment t'as pu faire ça? Hein? Tu vas répondre? Hein, j'avais... Tu l'as bu hier soir? Ah, hier soir, oui. Bah moi j'ai rien bu hier. À partir de maintenant, je reprends le contrôle de mon corps. Ma vie va complètement changer. Son seul ennemi, c'est lui. Il doit s'impliquer à 100%. S'il le fait, il y arrivera. Aujourd'hui, je suis contente de qui je suis. Je n'aime rien chez moi. J'avais tout mis dans notre relation. Bon, tout. Toute ma vie tourne autour d'elle, en fait. Toute ma vie. Pendant tout ce temps, j'ai cru à cette belle histoire. Connerie. J'avais gâché ma vie. Pourquoi est-ce que tu veux être comme moi? Parce que tu tombes jamais amoureux des filles et que tu n'as pas à souffrir. Écoute-moi pour une fois. The choice is up to you, my friend. Il y a une France qui ne croit plus en rien. Ces textes étaient précis et bourrés d'humour noir. Quoi, qu'est-ce qui se passe? La télé. De quoi la télé? Bah regarde. Mais je vois rien. C'est normal, il n'y a rien à voir. J'ai jamais dit le contraire. Alors tu peux m'expliquer ce qu'on fiche ici? Je vous suggère de retrouver M. Gordon et de lui poser vous-même la question. J'en avais l'intention. Si le chèque suit, je ferai ce que tu voudras. Je veux dire, tout ce que tu voudras. Que c'est que ça? Oh mon Dieu, serait-ce de la marijuana? Oui, pourquoi? Parce que je me sens tout le temps menacée par la mort. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Ça, c'est bigard. Les enfants, ça change la vie. Avec le premier, je suis déjà débordée. Je te jure, j'ai envie de me flinguer. T'as tous les droits. Je sais pas trop. Moi, je sais. Fais-moi confiance. C'est trop difficile. Je vous surestime parfois. Oui, je crois. Tu voulais mourir? C'était mes cachets à moi, ça. Si quelqu'un doit s'en servir pour prendre le large, ce sera moi. Ça m'est égal si vous croyez que je suis une cinglée. Vous le saviez qu'une cracotte, c'est 97% de céréales? Et c'est pour ça que tu me réveilles? Alors que tu sais qu'en ce moment, je suis crevée, moi! Mais je m'en branle de ce que tu ressens, d'accord? Dis-moi, pourquoi tu me parles sur ce ton? Parce que tu me fatigues! Fais-moi un bisou. Vous êtes cinglé ou quoi? Ça vous prend souvent? Je me déteste. J'ai cru que ça devenait dingue. Vraiment? Toi? Allez vous faire foutre! Écoutez, Jean-Pierre, je me rends bien compte que l'ambiance est un petit peu tendue en ce moment. Mais quelle salope! Je m'étais jamais retrouvé dans cet état-là. C'est à cause de ton caractère de merde si on en est là! Mais quel con! Vous n'êtes qu'un monstre! Tu vas avoir des enfants. Ah, je vais pas être père, merde! Tout ce que je veux, c'est la couvrir de paillettes et lui faire porter un tutu. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Va te faire soigner. J'avais peur de ce que les gens penseraient de moi. Et maintenant, j'adore ma vie. N'abuserais-tu pas du cidre? Je vous en prie, sire. Écoutez-moi. Ça donne une image rock'n'roll de boire. Je veux changer. Je vous offre un autre verre. Avec plaisir, merci. J'ai envie de voir. Bonne semaine sur Direct 8. Ta gueule! Ma vie entière, c'est ce que j'ai essayé de faire. Provoquer une émotion. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je traîne depuis quelques années un dégoût de la vie. Tu sais ce que ça signifie? Non. Que nous sommes en train de grandir. Oh non. Quoi? Éteignez cette télé, c'est insupportable. Je sais pas comment vous faites pour rester collé pendant des heures devant cette boîte à caca. Sarcasme? Mais non. Oh zut, cette fois j'aurais parié que c'en était un. Alors je n'ai rien fait. So I didn't.
Le rock'n'roll, c'est des gonzesses à mort, à perte de vue. À perte de vue. J'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Vous croyez que les vedettes de l'histoire, et vous ne serez que les dindons de la farce. Tu vois ces larmes là? Tu vas me les payer. Tu vas me les payer, connard. Tu me donnes toute ta tendresse et tout ton amour. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Mais je n'écoute pas ce que les gens disent. Toi aussi tu m'agaces là, tu baisses un ton et tu ne parles pas tant que je te donne pas la parole. Toutes ces dérives, je m'en doutais. C'est une fois de plus la faute des parents. J'aimerais ne plus faire de chansons sur toi. Maintenant cassez-vous, j'ai du boulot. Ce qu'on veut, c'est du bon gros son et se bourrer la gueule. Attends, fais-moi briller. Assez Dieu. Gangnam Style. Certes, je vous ai trahi, mais je suis fidèle à l'histoire en marche. Elle et moi, nous pouvons encore avoir des enfants. Et boire encore plus que tu ne le fais. Tu ne veux pas que le docteur te soigne? Il soigne l'angoisse, mais il vide la pensée. Il soigne le corps, mais il vide ma tête. Ça ira, mon amour. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Voilà. L'ancien policier toulonnais prend cette nouvelle comme une claque. Je ne l'ai pas touché. Mais encore une fois, ça se respecte tout à fait. D'accord, si c'est important, dis-le. Je me trouve tellement moche. Pourquoi ces larmes? Tu es triste? Non, je suis heureuse. C'est comme ça que je réagis. Quand j'ai des problèmes. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say. Vous vous rappelez de moi, j'ai beaucoup changé. C'est vrai que j'étais tout petit quand je venais chez vous, n'est-ce pas? Oh, c'est une belle histoire. On dirait un film. Mais parfois j'ai l'impression que c'est un rêve. En compte là, je vais être papa. Moi? C'est génial. Vous n'êtes pas patriote. 700 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans un jet privé appartenant à Alain Afflelou. Il était un peu troublé, j'imagine. Oui, il était là. J'aurais peut-être pas dû parler de ça. Mais on peut être heureux sans sexualité. Alors? Alors quoi? Pourquoi tu déballes pas tout ce que t'as à dire? Quand on ne vit pas sa sexualité, il y a toujours une partie de nous qui reste infantile. Aujourd'hui, je m'écoute plus moi-même. Je suis moins dépendante de la vie des autres. On est là, franchement, je trouve que tu mérites une gifle. Vas-y, gifle-moi. Je sais qu'on se ressemble. Il paraît que certains ont amené de l'alcool. Je ne veux pas qu'on boive. Nous autres, les adultes, savons de quoi nous parlons. Aussi, vous feriez bien de nous écouter. Tu mens. Ça se voit sur ton visage. Oui, ben ça va, calmez-vous, y a pas d'urgence. C'est pas comme si on allait faire des gosses demain. Ah, ça, tu sais pas. Rex, j'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Bande de lâches ! Et lâchez-moi ! Tu vas bien ? Très bien. Enfin, ça va ? Attends, soit ça va, soit ça va pas. Bah écoute, pour l'instant, ça va, Magali. Mais je sais pas si ça va durer. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est mieux comme ça. Avant, je faisais des jaloux. Mais ça, c'était avant. Un peu sonné par cette foutue bataille. Ça fait un temps que tu fais plus rien, là. Je fais plus rien, au contraire, je fais beaucoup. Je sors, je m'éclate, je m'amuse, je vais en boîte et je drague les filles. T'es complètement cinglé, Christian. Est-ce que tu te rends compte qu'en ce moment, t'es en train de t'acheter un passeport pour le sida? Peut-être même que tu ne le comprendras jamais, mais le fait est que c'est ma décision. Je peux seulement te dire. Je peux seulement te dire. J'ai pas choisi de vivre ici. Entre la soumission, la peur ou l'abandon. Vous
vous allez vous aimer. Ça, c'est affreux de dire ça. C'est horrible. C'est horrible de dire ça. Non, non, ils sont à moi, je les garde. Hé, hey, arrêtez de faire du bruit, les enfants. Regarde la télé. C'est dur quand on touche. A. Je lui propose de dormir ici. B. Je n'ose pas. Je suis seul, seul, seul. Y a-t-il une seule chose au monde qui soit plus délectable que de se coucher seul dans un grand lit vide? Je te déteste parce que t'as raison. D'accord, pas trop d'idées sur ce que vous ferez plus tard encore? Ta gueule, pauvre con! Mieux vaut mourir d'un coup que de souffrir misérablement chaque jour. Des messages de détresse, des SO. Personne ne peut m'aider. You had to focus on your own survival. But really, peu importe ce qu'il se passe, c'est Dieu qui décide. C'est de la folie. Enfin de chance, c'est sur marche ou crève qu'on danse. Pourquoi? 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 Animaux conduits en excès de vitesse, drogue. On est très heureux de faire ce passage à 2014 avec vous. 2014, ça y est, on est entré dedans. Et du vin, pour que la joie et la prospérité y règnent éternellement. Il y a autre chose. Où est le mal à boire un jus de fruits à la vodka en pleine journée, hein? N'est-ce pas lancé? Parfaitement. Il ne reste plus qu'à ouvrir la bouteille. Je ne m'attendais pas à recevoir de la visite. Je suis toujours tout seul. Eh bien, tant mieux! Bande de fils de pute! Il faut que je te dise quelque chose. Je m'en fous. Je m'intéresse qu'à ma propre personne. Si tu ignores les autres, alors les autres t'ignoreront. C'est d'une logique implacable. Je m'en fous. La vérité, c'est que je m'auto-déteste. I don't wanna die. C'était trop drôle. Vraiment drôle. Ah, je suis contente que vous vous soyez amusés. Bonsoir à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver. Vous n'êtes pas en photo dans la presse People, vous n'êtes pas sur toutes les lèvres et vous n'êtes l'égérie d'aucune marque de sous-vêtements. C'est impossible de vivre vraiment sans souffrir affreusement à certains moments. J'ai vraiment l'impression d'avoir 17 ans. Comme il dit, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. À tel point qu'il a développé une paranoïa. Je suis turbulent. Tout semblant de vie normale lui est interdit. Je trouve que c'est un peu exagéré, hein. Que peut-on espérer d'autre? What else can we hope for? Tu feras caca par terre, je m'en fous. C'est un mode de vie que j'ai choisi. Moi, le patron. Alain et Claudine vont bientôt devoir la prendre à leurs dépens. Et c'est reparti. C'est pas normal que je vive encore dans un appartement de merde avec une connasse comme toi. Un vrai conte de fées, comme on n'en voit que dans les livres. Envoie bébé au 73202 et découvre quand tu deviendras papa ou maman. Mais il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il faut faire attention. C'est toi qu'il faut qu'ils comprennent. C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Ah. Il faut apprendre à croire que le meilleur est toujours à venir. Elle est bonne celle-là. Séverine garde le sourire, mais au fond elle déprime. Elle a l'impression d'être un meuble. Je me déteste quand je suis comme ça. Ce que vous pensez des PD? Les grosses tapettes là. C'est pas parce que je suis homosexuel que j'ai fait quelque chose de mal. Je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Et aujourd'hui, ça a pris de telles proportions. Totally. Que je suis, you know, it's past embarrassment. Au-delà de la honte. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Pas un pastis et puis l'addition, Patrick. On y... Mais non, c'est la cigarette et tout le reste. J'avais fumé de boire chaque dimanche, chaque semaine. J'ai rechuté hier.
Mais il faut être fou, complètement fou, pour vivre comme ça. Comment va-t-il s'en sortir? Oh wow, oh oui Patrick. Oh Patrick. Je commence toujours pas convaincu que ce soit un film pour Zach. Mais là, maman, arrête de materner. J'ai pas vraiment le soir. Plus je le réalise, plus je vieillis. Et je suis mis en relation avec des filles open qui habitent à moins de 20 km de chez moi. Je perds plus mon temps avec des filles qui sont à des centaines de bornes. Quand ça se passe bien, c'est tout bénef pour tout le monde. Forcément, parfois il y a de la casse, mais Nicolas continue de foncer. Moi, je préfère de toute façon dormir tout seul parce que j'ai toute la place dans le lit et puis je préfère être seul. Qu'est-ce que t'as comme ami qui vient à la maison? Personne. En étant aussi différent de vous, du reste de la famille, il exprime en permanence une inquiétude de savoir s'il est aimé ou pas aimé. Non, mon père, il n'a jamais été là pour moi. Il n'y sera jamais de toute façon. Et puis sinon, je me concentre sur la création, c'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui. Pouvez-vous lui faire confiance? Ne restez plus dans le doute. Envoyez Cocu au... Vous avez perdu combien de kilos? Un peu plus de 8. 8 en combien de temps? Un peu plus de 2 semaines. Eh ouais, 8 kilos. Je sais pas, un dieu, ce serait Michael Jackson. Un manteau de nostalgie que le temps détricote. C'est génial, quoi. On s'éclate. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Mais... Allez, c'est parti, on y va. Maman, est-ce que je peux aller dans une école catholique? Vous n'osez pas sourire? C'est ma direction, j'ai pété les planches. I need somebody, not just anybody. Ne pas être sexuellement dans la norme peut donc être vécu comme un handicap. Ça veut dire quoi, ça? Que je suis taré? Je ne crois pas que vous ayez à avoir honte de quoi que ce soit. Cet après-midi, le programme est palpitant pour Maria. C'est vraiment une forte haine que j'ai. Les années ont filé beaucoup plus vite que prévu. De quoi est-ce que tu parles? Moi, j'ai pas envie de vieillir toute seule. J'ai vraiment pas envie. Vraiment. Manger seule, regarder la télé seule, faire tout toute seule. Et moi, je vais faire une partie de squash. J'adore ma nouvelle vie. Pour le jeune homme, Vincent passe à côté de sa vie et à ce rythme-là, il risque bel et bien de finir vieux garçon. Ras-le-bol. J'ai juste envie de tout laisser et de me barrer. Extrême jusqu'au bout. Pourquoi? Déjà, une fille, c'est chiant. Vous allez boire un coup? Il vous a rien dit? Je suis un vrai alcoolo. Bon, ben, je boirai bien un verre aussi. Il est pas un peu tôt? Il est jamais trop tôt. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Ma grand-mère paternelle aussi est morte. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Mais arrêtez de rigoler! Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante. La célibataire perd alors toute confiance en lui et tente de couper les ponts. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Ah, oh, si seulement c'était un rêve, je n'aurais qu'à me réveiller. Mais c'est une histoire de fou. J'aime ma banque. Pourquoi pas aussi parler un peu de culture aussi, en tant qu'artiste. Ouais. Ben voilà, donner encore plus de droits aux artistes, plus de folie dans tout ça. Je suis d'humeur très coquine et libertine ce soir. Michel, timide, préfère rester au bar. C'est trop tard, Lisa. T'as tout fait rater. Il est parti. Et tu ne le reverras peut-être plus jamais. Putain, mais quel con! Mais c'est pas vrai. La vie, c'est du cinéma. Les femmes occupent un rôle secondaire au sein de la société. Confinées au foyer, à leur rôle domestique et familial. Ah, mais d'accord, je sais, j'ai compris. C'est cette pétasse de Julie qui t'a rentré ça dans la tête, hein? Tout porte à croire que oui. Conte-moi l'histoire, reprends tout à zéro. Tu passes tes journées au canapé, à regarder la télé et à manger tout ce que tu trouves dans les placards. La perfection masculin. Je crois qu'il y a quand même un risque toujours de mourir. J'en ai rien à foutre, hein? Ok? Mais quand tu bois, tu sais que tu vas être mal à un moment? Mais c'est les problèmes de la vie, mec. Non, mais j'y crois pas. Vous vous foutez de moi, Roland. C'est son côté enfant que Simon semble ne plus assumer. Serait-il finalement prêt à faire son entrée dans le monde des adultes? C'est n'importe quoi, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est débile. Enfin, pardon, mais... Temps perdu,
qui se rattrape plus. De toute façon, je ne suis même plus sûre d'avoir envie de le faire. Je veux dire, de coucher avec quelqu'un. L'homme moderne affronte sa propre absurdité, croit en lui-même et en sa mort biologique, et tout le reste n'est que littérature. Bonjour, c'est Jeff. Chance, argent, amour, quel sera votre avenir en 2014? Faut pas se fier, quoi. Ouais, non mais c'est clair. Ah. François Hollande vient de s'adresser très brièvement et très solennellement aux Français, écoutez. C'est pas le top en ce moment? Non mais c'est dingue! Tu verras, tout va rentrer dans l'ordre. Si tu le dis, ma fille. L'horizon est bien mort dans ses yeux, t'es la vie. Il vivait dans son monde. Il était toujours dans sa bulle. What's going on in that beautiful mind? Mais je vais être franc, j'ai plus de copains. J'ai plus de copains parce que... Il y a des gens bizarres partout. T'es un homme qui est le genre à se projeter, à entreprendre. Détourne pas la conversation. Je détourne rien du tout, là. Elle a tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. Moi, ce qui m'a intriguée, il m'a dit, je vais acheter un Internet. Ah, moi, j'ai dit, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. J'ai dit, Ses proches tentent de lui faire comprendre qu'il va trop loin. Et bien sûr, sa femme Fabienne n'a pas son mot à dire. Appelez le 3002. Would you put a life in this world? Wouldn't you feel shitty doing that to them? I mean, as far as I can see, you know, the world is not getting better. I think to create life is really irresponsible. Mais de toute façon, c'est égoïste de vouloir un enfant. Les jeunes gens modernes pleins d'idées incohérentes. J'ai eu 10 enfants et c'est normal. Cette émission rock'n'roll est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. J'aime pas trop ces manières de faire. Pardon ? Combien de temps ça va durer encore ? Ça va aller mieux. Tu parles. Christine Boutin, si elle pouvait arrêter de donner son avis sur tout et oui, sur rien. Non, mais si, c'est pas possible, elle soit aussi con quand même. Quel est l'intérêt d'avoir des enfants si vous ne savez pas profiter des moments passés en famille? Mais le devoir faire couple pour être épanoui, ça c'est dramatique et ça rejoint la notion de normalité. Comment? Qui t'a raconté ça? Personne, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu veux pas de petits copains comme les autres? Qu'ils aillent se faire foutre, tu vois, qu'ils aillent se faire foutre. Je pense qu'aujourd'hui les hommes, ils dégagent une image de loser auprès des femmes. J'aime vraiment qu'on me traite comme une vraie pute. Tu as également besoin de faire ressortir ta virilité pour montrer que c'est toi l'homme. Un monde fabuleux. Bon, ça m'arrive de boire des verres en soirée, mais je gère. Avec le parc d'attractions Freeperty City. Il y a un âge où on n'est plus un enfant. Je m'en bats les couilles. Salut les amigos et les amigos y. Je refuse d'avoir des responsabilités. En gros, le message est de ne pas devenir un con d'adulte. Tu te fais flipper en disant ça? Bah un peu, enfin... Non mais il est resté complètement bloqué au lycée ce pauvre type. Tu vas quand même pas sortir avec un attardé mental. Je suis toujours toute seule, je vis par procuration et je parle à mon chat. Bah c'est bien, t'es c'est moche. Merci. T'es horriblement moche. Pas sûr qu'il tienne le coup. Mais il n'a pas vraiment le choix. Je vous déteste. Tout ce que je veux, c'est vous tuer et aller danser sur votre tombe. On s'en fout. À la vôtre. Qui a le droit de faire ça? Mais qu'est-ce qu'on s'amuse bien aujourd'hui? Prochain arrêt, c'est la fin du monde. Et ça, j'y crois profondément. C'est quoi, je t'aime. Et moi, je sais pas pourquoi j'existe avec toi. Tu te rends compte que t'es pathétique et grotesque là tout de suite? Soyez radical. Virez cette femme de chez moi! Je deviens sauvage. Un compromis n'est pas possible! Et maintenant, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Si personne ne respecte plus rien. Et c'est ça qui me gonfle. Peu importe qui vous avez été, ce qui compte, c'est qui vous allez devenir. Je suis une merde. Le pouvoir du caca! À notre triomphe! Je suis aussi étrange que vous le pensez. I'm just as weird as you think I am. Le monde devient vraiment fou. Tout va bien, on s'en sort, et un jour on sera les plus forts. Donc tout va très bien et tout est normal.
Il faut se respecter soi-même, avoir un minimum de dignité. On va être obligé de vous attacher. Elle est contrainte à un rapport anal. C'est con, hein ? On a Internet, on a la télé. Enfin, on vit comme tout le monde. Sur la bonne voie, mais monotone comme un train de fiche. Tout est concentré autour de la télé. Je trouve ça vraiment triste. Je suis tout. Je peux tout. Mais tu comprends rien, t'es parano ou quoi ? La réponse est oui. La réponse est oui. Ah oui ? Oui. Mais sa folie ne s'arrête pas là. Il y en a même qui me disaient, faudrait vraiment que t'ailles dans un hôpital psychiatrique ou des choses comme ça, donc... Comment je vais arriver à être Monsieur Tout-le-Monde qui, ben, à la fin, croira plus en rien, quoi. Consommez jusqu'à ce que vous en creviez. Non, ça vous fait pas rire. Bon, tant pis. T'es bizarre, ça n'en finit pas. Fuck you. Pourquoi chercher du sens à tout ce bordel? Pourquoi continuer à faire semblant? They don't care about us. Voilà, j'en suis sûre que j'ai du talent, mais j'aimerais bien qu'on me dise quel talent. Attention à toi, casse tes fesses, moi je m'en lasse pas. Il en est dingue. Dieu est dans nos villes. Faut que tu viennes me faire chier encore. C'est pas possible. Mais c'est bon, hein. On grandira plus tard. T'es dingue ou quoi? Ça ne veut rien dire. T'as toujours pensé qu'on fait de la merde, que tout le monde nous déteste. Tu n'as absolument pas besoin de boire de la bière pour t'amuser dans la vie. Au revoir, au revoir, au revoir, ciao. Au revoir. Et au revoir. Sortez-vous les doigts du cul!